fait, oui. Amadeus. Tout à fait, tout à fait. Alors, dites-moi comment se passe votre réinsertion, ça va? Bah, ça va. Vous avez pu reprendre votre vignoble? C'est ça oui, j'ai pu. Après, bon, faut que je fasse une réunion avec tous mes employés déjà Ouais, pour. profitez-en tant que vous n'avez pas votre associé. C'est ça. Bon, allez, je vous raccompagne, messieurs, dames. Merci. Bon, au fait, je me souviens plus de votre nom. Madame Bizarre, Peggy. D'accord, c'est noté. Vous en prie, remontez. Qu'est-ce que vous faites là, Madame, vous Nina? pouvez remonter? Qu'est-ce que vous faites là, Nina? Je venais voir ZK, mais apparemment il est Tu viens pas de là. m'appeler, je m'en ai raccroché instantanément. Je t'ai dit que je t'appellerais s'il était là. Je l'ai dit à la dame qu'il était pas là, mais bon. Vous avez vérifié que tous les détenus avaient bien été enlevés de la prison fédérale? Non, pas tous les détenus ont été. Enfin, ils se sont pas tous échappés, quoi. Vous croyez qu'on a le droit à une demande de parloir si on va à la prison fédérale? Comme je te l'ai expliqué, la prison fédérale est fermée. Mais Mais oui, ok. alors les Où ont détenus à été... Oui, l'intérieur? ils ont été transférés, madame. Si elle est Normalement, ils fermée. sont là au LSPD ou alors au FBI. Ah oui, ils doivent être au FBI alors, hein. Bah. Attendez, c'est Visiblement quoi le non. nom de votre copain? C'est Lazar Popov? Non. Non, Taylor Non. ZK. Alors ce monsieur-là, je ne l'ai pas vu ici, donc Moi non allez plus. voir éventuellement au FBI. Vous êtes sûr qu'il est en prison là actuellement? Sûre et certaine. Moi, j'ai jamais entendu ce nom dans la prison, Attendez, mais. je vérifie selon mes casiers. Je vais regarder aussi sur ce que j'ai. À mon avis, il a dû avoir un problème de tête et. Au moment où vous avez évacué la fédérale, il devait peut-être être en train de dormir sous un matelas. Rappelez-moi son nom, prénom. Vous êtes qu'à quoi? Tyler ZK. Tyler. Alors, oui, je l'ai trouvé dans mes fiches. Par contre, selon mes fiches, il est toujours recherché, le monsieur n'est pas en prison, hein. Mais bien sûr que si, il a toujours été en fédéral. Tyler? Il s'est pas échappé hier. D'accord, Bonsoir, eh excusez-moi. bien, oui, monsieur Amadeus. On m'a dit que il y avait mademoiselle Abby qui était en bas, en cellule. Oui, elle est là, la Oui, Abby n'est elle est pas en en. Ah cellule. non, 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 Abby Pourrais-je a été converser avec elle? relâchée. Ah. Ah, relâchée? Oui, elle n'était pas en cellule, elle était en interrogatoire avec le sergent et moi. Vous l'avez relâchée? Il y a combien de temps? Il y a une minute. Attendez, attendez, oula, attendez. Vous l'avez relâchée, je croyais que c'était le FBI qui venait la récupérer. Je sais pas, le sergent, il m'a dit que c'est bon, j'avais fait les empreintes, l'identité, que Vous avez fait je pouvais c'est la vous qui avez relâcher. fait le casier? Je vais le faire là, je l'ai pas encore fait. D'accord, parfait. Bon, c'est le Vous avez sergent noté aussi chef. vos informations sur le casier de toute manière. Je vais noter les miennes et vous allez les noter Oui, les vôtres. je Je compléterai, vous pense en qu'on a faites pas. deux témoignages différents. Moi, j'ai pas vraiment eu de témoignage, j'ai juste eu les chefs d'accusation. Parce que d'après elle, elle n'était pas du tout dans l'évasion. Enfin, pas du tout complice. Oh non, Oui, pas bah du tout. après, ça Elle était c'est otage celle normalement. qui... Ah oui. Oui, j'y étais, c'est pour ça que je vous le dis. Mais elle a D'accord. été relâchée, monsieur. Ah oui, non, mais oui, c'est pour ça que j'allais Elle n'est là-bas. pas ici, du coup. Rappelez-moi son prénom, là. C'est Abby, le Abby nom de avec un famille. Y, je crois. Mais j'ai Oui, pas c'est eu son ça. nom de famille. Moi, j'ai son nom de famille, j'ai sa carte d'identité. Voilà. Vous en D'accord, avez bon. besoin?
Tenez-moi au courant si vous la rappelez, quelque chose comme ça. Et nous en reparlons. D'accord, très bien. Et vous êtes ? J'ai pas. C'est Edward, j'attends. Edward Amadeus. Effectivement, madame. Madame Abby, je la vois pas dans mes listes des personnes recherchées. Hein, donc, Non, elle est pas recherchée. Mais enfin bon, faites-lui un casier et puis on vérifiera tout ça dans tous les cas. D'accord, très bien, je vais le faire. Alors attendez, Nina. Moi, je vais prendre ma fin de service. Je vais voir si le sergent a encore besoin. Donc, selon vous dire, il est toujours à la prison fédérale. Oui. Dans ce cas-là, faut voir avec le gouvernement, parce que là, moi, je peux rien faire du tout. Hein. Pas moyen que vous le contactiez, le gouvernement, qu'on aille le chercher et que vous le transfériez ici. Mais c'est à... Écoutez, je vous envoie un mail, parce que là, c'est compliqué. D'accord. Attendez, hein, je vous envoie un petit message. Ouais, donc là, malheureusement, Nina, je peux rien faire du tout. Là, je contrôle pas le gouvernement. Moi, la fédérale, c'est hors de mon recours. Par contre, à la limite, ce que je peux faire, c'est contacter monsieur le procureur. Ah oui, faites-le, s'il vous plaît. Puisque c'est sa prison, donc en principe... Il y a que lui là-bas ou il y en a d'autres? J'en ai aucune idée. Attendez, je l'appelle. Mais lui, sinon, il serait là, c'est sûr. Faut qu'on aille le chercher, ça se trouve, vu qu'il est tout seul là-bas, il est déshydraté, il a faim, il a soif. Vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il a il a trouvé la cantine. Hein. Il est peut-être en cellule, bloqué derrière les barreaux. Ah. Mais en maigrissant, il arrivera peut-être à passer. Non, c'est une mauvaise blague, j'arrête, pardon. C'est vraiment pas cool ce que vous faites là, comme blague. Mais pardon, c'est pour détendre l'atmosphère, mais c'était malvenu. Ah ouais, ils m'ont contacté parce que j'ai mis un bracelet électronique, donc s'ils l'enlèvent, okay. Vous savez quoi faire. Hein. Ouais, mais c'est pas notre affaire, hein. C'est pas notre ressort, chérif. Ah ouais, le FIB nous a bien dit que c'était M. Lazare Popov dépendait. Bah, bon retour, vous êtes libre. Liberté. Ok, merci. Et pas trop de bêtises, monsieur Popov, hein. Bah, je suis innocent, hein. Ah, bah, j'espère. C'est tout ce qu'ils disent, tout ça, mais qu'il est vraiment. Monsieur Popov est relâché. Ouais, tout à fait. Et pourquoi donc? Vous avez un problème, vous aussi? Ouais. Ouais. Un choc. Ok. Ouais. Monsieur l'agent. On a tous le même problème là, on est d'accord. Ouais, on est. Ok. Catherine arrive. Oui, on vous entend, oui. Ah, il faudrait que je vous parle. Chef. Oui, mademoiselle Bizarre, dites-moi. Alors, juste qu'on puisse résumer la situation quant à Lazare Popov. On garde quand même son casier ou on doit supprimer... Affirmatif, vous gardez le casier, ouais.
D'accord. Et pour ce qui est de madame, enfin mademoiselle Mia, je sais pas quoi. Attendez, Mia. C'était la jeune femme que nous avions mis dans cellule aussi. Attendez, c'est. Je crois que c'était Mia. Oui, vous pouvez garder aussi son casier. Très bien, avec les mêmes chefs d'accusation. Affirmatif. Aucun chef d'accusation n'a changé. C'est toujours le même. Très bien. Je garde tout ça en document. Aussi, vous êtes. Merci à vous, mademoiselle. Attends que. Merci à vous. Je vous écoute. Ouais, vérifie que Monsieur Smith s'est pas barré parce que je suis pas encore dans la ville. Non, il est enfermé. Ah ouais, on va voir. Ok, ouais, nickel, parce que je suis en train de le fouiller, j'ai pas fini. Ouais. Si quelqu'un peut aller lui retirer son téléphone vite fait, s'il y en a qui est à côté avant qu'il prévienne quelqu'un qu'il a été arrêté, etc. Parce que j'ai pas le temps de retirer le téléphone. Juste derrière. Putain, mais c'est passé quoi avec Karim? C'est problématique ça. Alors, il est avec Dominique sur des quoi? Non, mais que je sois sous la map, enfin sous la ville. Ah, attends un petit peu, tu vas. Les anges vont venir te chercher. Ouais. J'espère pour toi, parce que moi, une fois dans une autre vie, ça a duré 3 plombes. Hein. Sinon, tu fais ça, mais tu reviens. Déjà fait, ça a rien fait. Ah, bah sinon, tu crées la lettre sur le site de la ville. Ok. Je peux rien te dire. Oui, c'est ce que je fais. C'était pas prévu. Karim, tu dois aller dans le bureau. Va dans le bureau du capitaine. Ouais, vas-y. Attendez, je m'occupe de vous dans quelques instants, hein, s'il vous plaît. Le sergent va arriver. Le sergent adjoint va arriver. Ouais, c'est pas la question. Le sergent va arriver. Le sergent adjoint va arriver, d'accord. Ok. C'est qui le sergent? Flipper. Y a un truc que je comprends pas, chef, en fait. Tout à l'heure, on a arrêté le gouverneur. On l'a arrêté, il allait hyper vite, on l'a poursuivi et tout. Il nous a dit, ouais, félicitations pour votre travail et tout, c'était pour vous tester. Il nous a payé une amende et tout. Et du coup, nous, on a été tester des véhicules. Qu'on a réquisitionné des petits quads à la con, là. Et on a essayé de voir un peu. Et le truc, c'est que ce truc, c'est hyper nerveux, vous voyez? Et du coup... On a, il y a le collègue qui nous a poursuivi. Est-ce qu'il y a un flip mais on s'est dit, ok, vous savez quoi, on va leur faire un entraînement. J'ai plus de place. Malheureusement, dans mes trois virages, on l'a perdu le collègue. Mais bah, ça c'est pas grave. Comment par rapport à Eddie Smith? Pour venir confisquer ses téléphones parce que j'ai plus de place dans mes poches pour les téléphones. Il est en bas. Affiché à l'interrogatoire, il est menotté et il est là. J'arrive. Merci. Salut toi. Bonjour. Comment ça va, beau gosse? Bien et toi? Parfait. Ouais, je voulais tendre. Ah, attendez, je vais vous donner cela, ce que j'ai déjà dans mon sac. Ah, le fameux Eddie Smith, ah. Je crois que c'est celui qui a le casier le plus long. Voilà, attendez, je vérifie. Je sais pas de mémoire, je connais pas le casier par cœur de monsieur. C'est quand même bizarre ce que la dame dise alors que j'ai aucun casier. Mais what the fuck? C'est vraiment diffamatoire ce qu'elle vient de dire. Il n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à faire quoi? À prendre les téléphones, ça me dit un truc bizarre dans mes poches. Attendez, je vais regarder. Madame, vous vous rendez compte des propos que vous portez quand même? C'est quoi votre nom? Eddie Smith. Ah si, vous avez une liste, non. mais elle est pas mal. Non, hein. j'ai pas de casier, madame, j'ai casier vierge, donc évitez de dire des trucs comme ça par contre. C'est vraiment diffamatoire ce que vous dites. Oui, bien sûr, d'accord. Porterai plainte. Bah je peux pour ça, mais juste éviter de manquer de respect quoi, dites pas que j'ai un casier long alors que j'en ai aucun, je suis vierge, je sais pas. Effectivement. Attendez, je vais vous retirer votre portable comme ceci, voilà, hop là. Est-ce que tu peux me rendre le mien, parce que je vais le mien en même temps. Oui.
Bah, je sais pas pourquoi ça m'a... Y a un problème. Si t'as les poches pleines. Merci. Non, non, c'est qu'il en a deux. Monsieur a deux portables. Monsieur, vous voulez que je vous lise vos chefs d'accusation pour vous rigoler un petit peu? Des chefs d'accusation, madame, c'est pas un casier. Oui, c'est des chefs d'accusation, maintenant on va les prouver. Alors, récidive, coup et violence, homicide volontaire, recel d'armes illégales, menace, défaut de PPA plus possession d'armes illégales, complicité de prise d'otage, mise en danger de civils. Pas mal, hein? C'est juste des reproches, rien de prouvé. Oui, enfin, c'est quand même monsieur le procureur qui a fait ça, donc je préfère le croire lui que vous. Bah putain, j'espère que le procureur il dit pas de sales choses sur votre famille, madame, parce que ça voudrait dire que vous faites de sales choses. Bah oui, vous allez garder votre langue dans votre poche, merci. Bon, allez, je vous amène dans cellule, monsieur Smith. Je vais voir si mon collègue Garcia a contacté le gouvernement. Ah ben voilà. Ah mais. Ah bah, maître Van. Ah ben, on monsieur est venu, Trojan, il y avait un certain Lazare Poupov. J'ai une attelle à mon bras gauche, je me suis déboîté l'épaule, doucement. Attendez. Eh ben monsieur Trojan, j'ai essayé de vous appeler depuis tout à l'heure. Ah ben j'ai reçu aucun appel de vous. Ah, vous aviez peut-être un petit mal de crâne, non? Oui, sans doute. J'avais un petit peu mal à mes testicules, ça m'a tué sur vous. Alors c'était juste pour vous parler d'un petit truc, ça prend 2 minutes, attendez. Je vais voir mon client. Dites-moi. Excusez-moi, monsieur. Venez avec moi. Alors, il y aurait. Sur là y a... Attendez, venez là. Qui est-ce? Alors, il y aurait un certain. Oui, Kedge, à l'écoute. ZK. Ok, très bien. J'aurais le souci qui serait enfermé dans votre prison fédérale. Je te laisse faire, de toute façon, t'es l'adjoint, oui, donc tranquille. Et à quel motif? Agent 07, il n'est plus là? Non, mais en fait, il est coincé là-bas, littéralement. Je pense pas, négatif. Elle peut venir, celle qui a pris le dossier. Le souci, c'est que j'ai pas du tout les clés de la prison. Alors, ah oui. Du coup, contre monsieur Smith, c'est ça le problème. Est-ce que madame Bizarre, vous pouvez lui rappeler les chefs d'accusation? Vous qui les connaissez pas. Oui, bah c'est monsieur le procureur qui les a rédigés, mais je les ai sous les yeux, donc vous en faites pas, monsieur le procureur. Parce que c'est qui en cellule, là? Monsieur Smith. Ah, très bien, très bien. Voilà, donc là, vous pouvez enlever le mandat d'arrêt, c'est fait. Alors, les chefs d'accusation sont récidive, coup et violence, homicide volontaire, recel d'armes illégales, menace, défaut de PPA, et à cela on ajoute possession d'armes illégales, complicité de prise d'otage et mise en danger de civils. Tout ça c'est de loin prouvé, le. J'espère bien, ou c'est juste des accusations. Ah, bah écoutez, c'est le procureur qui a. Vous enverra le dossier. Oui, qui a été envoyé, pas, tout est prouvé. Tu veux le dossier? Je voudrais bien, oui, je voudrais bien le dossier aussi, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Très bien, je vais vous l'envoyer aussi. Oh là. Pardon. C'est rien. C'était pas assez rapide pour monsieur Van, apparemment. Tu vas me donner ce dossier? Calmez-vous, monsieur Van, voyons. En tout cas, c'est les chefs d'accusation et le casier le plus long que j'ai sur la liste. Je vous l'envoie. Ouais, je vous l'ai envoyé. Merci bien. Ouais, envoyez-moi tout ce genre de dossier à l'avenir, hein, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Oui, très bien, mais le souci, c'est que... Moi, c'est est-ce que je peux avoir une équipe sur la prison fédérale pour... Ah, attendez, j'ai un petit problème de radio, 2 secondes. Je reviens. Sound muted. Pouvez-vous répéter, monsieur le procureur, je vous prie? Parce que moi, c'est le capitaine qui m'a transmis le dossier, donc je pensais qu'il vous en avait parlé. Ah, d'accord. Non, il me l'a pas transmis. Décidez-moi, s'il y a quand même un manque de communication. Par contre, il y a un petit X qui s'est enfermé à l'intérieur. Attendez, je crois que je l'ai bien reçu. Les clés de la fédérale, donc il faut contacter la Gouv. Très bien, j'ai bien reçu, parfait. Je vous cache pas que le dossier est très loin. Il y a beaucoup de choses qui... Je vais le lire avec attention. Sinon, ce procureur, on a encore un... Oui.
Je vous laisse admirer mes collègues, elle a encore ramené quelqu'un. Et par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain Lazare Popov qui a été enfermé ici. Alors oui, ça, on a reçu, on a été appelé par l'armée, ils nous l'ont déposé ici, ils nous ont dit le FBI viendra le chercher, le FIB, pardon, viendra le chercher. Oui, mais ça ne vous regarde pas. Le souci, c'est, le problème, c'est qu'on a entendu dire, parce qu'il y a un certain de ses amis qui nous a dit qu'il allait être envoyé en fédéral, directement, sans jugement, sans rien. Ah, ça, donc le problème, monsieur le procureur, c'est que nous, c'est une affaire fédérale, donc c'est pas de, ça relève pas de l'expédier, en fait. Donc nous, on n'est pas comme vous, on n'a pas accès à ces informations-là. Oui, mais le problème, c'est que moi-même, j'ai pas eu du tout accès à ces infos. Ah, personne ne m'a rien dit, personne. Je suis dans le déni total, c'est ça le problème. Ah non, je comprends, mais bon, ouais, je suis comme vous, monsieur, même nous, on se demandait ce qu'il faisait là, etc. On a vous savez comment je l'ai appris. Mon ancien confrère, Mitrovan, qui a fait un accident, 2 personnes sont venues nous porter secours. Et le problème, c'est qu'après l'opération de Mitrovan, ces messieurs nous ont dit on a notre ami Lazare Popov qui était enfermé, qui va être envoyé en fédéral. On a été. Enfin, c'est déni total, on n'a eu aucune information sur cette affaire, rien du tout. Je suis d'accord avec vous, je suis comme vous. Hein. Nous, on n'a rien reçu non plus, on est là, on a été appelé parce qu'à la base, on croyait que c'était M. Smith, parce qu'on est là, à ce moment-là, on était en opération pour retrouver M. Smith. Donc, le chef Cage avait monté une opération, etc., pour le trouver. En fin de compte, il est venu de son propre. Enfin, on l'a eu autrement. Oui. On est rentré parce qu'ils ont dit suspect au commissariat. Enfin, en gros, il était là-haut. Donc, nous, on a tous déboulé là-haut. On voit arriver, c'est pas Monsieur Smith. Donc l'armée nous dit voilà, bah il est recherché, etc. Machin. On vous laisse, le FIB viendra le chercher derrière. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah on regarde qui c'est, on met 5 identités. Il nous dit Monsieur Lazare Popov, Popov. Et du coup nous, on lui demande s'il a besoin d'un manger à boire, il nous répond que non. Bah, après je peux vous dire honnêtement que la SPD, c'est pas vraiment occupé de Monsieur parce que vu qu'on nous a interdit de s'en occuper. Oula, attendez. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. On se calme là, hein. Le souci que j'ai avec l'armée, c'est qu'ils se permettent des choses qui ne sont pas forcément très permises, dans le sens où il y a une affaire fédérale, je ne suis même pas mis au courant, les chefs d'accusation, il n'y a rien du tout, pas de mandat d'arrêt, etc. Pour l'armée, ça a été remonté au gouvernement, là, je vais vous donner un exemple. Vous êtes calmé, c'est bon. Monsieur Smith, vous avez dû se remettre dans les oreilles. Dans le dos, c'est un malade. Monsieur Eddie Smith, vous faites la sourde oreille. Vous avez plus de langue. Reprenez votre langue de votre poche et remettez-la dans votre bouche. Bon, vous faites l'enfant, vous voulez pas parler, tant pis. D'accord. Bonsoir, jeunes âmes. Alors, attendez, je vais rentrer dans le... Channel switched. Peggy Bizarre, bonsoir, en service. Bonsoir, mademoiselle Bizarre. Bonsoir. Bonsoir, madame Bizarre. Nous allons tranquillement nous rendre. Un peu au comico et normalement je devrais recevoir peut-être un grade supplémentaire, on verra. J'ai quand même fait pas mal de travail pour la LSPD, avancer les enquêtes grâce à moi, la LSPD est meilleure. Petit foot. Ok, bon, aller chercher des, faut que tout le monde soit en avec des casquettes, avec celle-ci là de casquette. Ah ça, donc je vais aller chercher mon uniforme et on va y aller. Bonjour, je sais pas qui c'est.
Attendez, je vais me mettre bien. Voilà. Ils y vont tous comme des dératés, hein. Tout le monde, vous préparez tout de suite pour la cérémonie. Allez. Je rappelle casquette, chemise, ouais, tenue bien repassée. Et je veux tout le monde à la Maison Blanche. Si vous connaissez pas, je vais mettre à l'adresse. Officiel, Jean ? Bah oui. Ah bonjour, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante, oui. Madame Piggy, ouais. Le monsieur derrière. Vous êtes vraiment charmante. Le monsieur derrière, il s'appelle merci, Camille. Monsieur. Et il veut alors, devenir négociateur. De vous poser, madame. Vas-y, attendez, monsieur en blanc, le cadet me parle. Oui, c'est le cadet qui franchement, vous parle. Madame Bizarre, vous êtes Mahlel plus. Alvarez, elle est en dessous. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, mais elle est... En fait, en vrai, Alvarez, elle est sous vos pieds, là, genre. C'est une grosse merde. Genre, elle est en bas, là. Oh, attends, madame. Oui. Parce que maintenant... Vous n'êtes plus ma supérieure hiérarchie, je vais vous poser une question de homme à femme. Dites-moi. Comment se fait-il que vous ayez une voix aussi suave ? Elle est belle, ta voix. Ouais, mais vous n'avez pas une voix qui va avec votre physique, vous voyez ce que c'est pour ça, c'est juste une question. C'est le miel dans le café le matin, ça adoucit la voix. Ouais, mais justement, là, elle n'est pas Monsieur adoucie, Camille, elle est plus rugueuse. Voir avec Madame Bizarre, ouais, c'est le cas. Comme si vous avez mis des scratchs au fond de votre gorge. J'ai beaucoup fumé quand j'étais ado. Vous recevez ? C'est bon, madame, il est là, le visage. Je vous ai dit, Camille, à droite. Prenez tous un sandwich, là, je comprends plus rien. Mademoiselle, vous êtes vraiment très charmant, madame. Mais est-ce que vous avez regardé les dessins animés, genre Disney? Oui, attendez, monsieur, venez avec moi, là, j'entends rien. Je remets ça. Affi, parce que moi, je peux pas le faire. Ah ouais, elle est allée, elle. On grade. Je suis dégoûté, quoi. Donc là, tu as niqué deux poules et tu es mis à pied. Allez-y, dites-moi, j'entends mieux, là. Ah ouais, bien vu. Je disais, madame, est-ce que vous avez vu tous les films Disney? Écoute, les films Disney, j'ai dû en voir quelques-uns, oui. Martial, est-ce que vous avez vu Monster MC? Oui. Ça va? Oui. Ok, je sais où les en venir, on m'a déjà fait la remarque. Vous ça ressemblez va. Comme deux gouttes d'eau. Merci, oui, je ressemble à une limace puante et chiante, je prends ouais, note. Exactement, oui. Merci bien, monsieur. Mais ça n'empêche pas que vous êtes charmante, hein, sachez-le. Exactement, d'ailleurs, Peggy voilà. Bizarre. D'accord, oui. Vous allez vous mettre en tenue, s'il vous plaît ? Bien sûr. Oui, ouais, monsieur. Allez, j'y vais. Ouais. Madame, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Martigno, est-ce que... En fait, j'ai passé mon PPA il y a quelques jours et on me l'a toujours pas donné, en fait. Et j'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir le récupérer enfin, quoi. Il est là le capitaine, vous l'avez vu ou pas? Je sais pas qui c'est le capitaine. Il a une crête bleue. Normalement, il devrait être là. Ah, c'est lui. Mais Alpagué le lui ou un sergent, il y en a devant là, allez voir. Je sais pas ce qu'il faut en fait, il me dit d'aller dans le. Mais moi, je suis pas autorisé à vous donner le PPA. Et merci pour ton follow, le Never. Bonjour monsieur. Bonjour cher collègue. J'arrive pas à lever mon sac, il est très serré. C'est la première fois que je vous vois. Attendez, regardez-moi dans le blanc des yeux. Oui. Si, je me souviens de vous. Spartacus 2014. Comment ça? Ah non, attendez, j'essaie d'enlever mon sac. Je vous en prie, il a l'air bien collé. Il est très collé. Merde, j'ai pas mal. Pas besoin. Très bien. Bonsoir. Ils viennent de lui dire va dans on le va bureau. En cérémonie. Et... On vient de me dire va dans le bureau. Sauf que là on part en cérémonie. Elle est pas. Comment ça vous avez fumé des poules? C'est pas une poule quoi.
Bonjour Cadet Marcel. Moi aussi. Merci. Vous allez bien, Peggy? En tout cas, c'est vrai, on a installé tout ça à la Maison Blanche. Bien, ça va. Lieutenant, on y va là ou. Ouais, par contre, j'ai pris le gilet pare-balles. C'est vous qui avez tout installé à la Maison Blanche? Je pense pas qu'on doit le prendre. Ouais. C'est une équipe que j'ai chargé de faire. Attendez, je vous ai pas entendu, Cooper. Qui dit qu'en tout cas, c'est stylé. Hein. Non, j'ai pris le gilet pare-balles, mais je vais aller le repousser. Vous pouvez le mettre dans votre dans le coffre. Oui, mais l'armement. Bah, le monsieur là, un cheveu bleu et 83 de son chef, il y a 283. C'est la première personne qui a demandé son matricule 83 qui le prend, donc il faudra que monsieur Lyon y change son matricule. Bon, j'allais chercher une bagnole. Balancer, c'est les premières personnes qui sont à la Maison Blanche. Vous pouvez pas lancer le GPS s'il vous plaît sur le police. Affi. Est-ce qu'on peut prendre un véhicule de police? Affirmatif. Allez. Ouvrir garage. Ah non. C'est envoyé. Bien pris. Oui. Oui, je peux venir avec vous? Bien sûr, venez. Merci. C'est Mei Lang, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous avez l'air tout déprimé. Oui, on a pris une mise à pied, Marcel et moi. Ah bon, pourquoi? Marcel! Parce qu'on a... On a tué des poules. Des poules? Mais on n'a pas dit la vérité. Qu'est-ce que c'est que c'est votre histoire, là? Des conneries. Pourquoi vous avez tué des poules? Des poules? Oui, parce que je sais pas. Vous avez pas l'air très gentil. J'ai pas l'air très gentil. Non, les poules. Allez, des poules qui ont l'air méchantes. Oui. On parle bien des poules à l'animal, hein, côte-côte. Côte-côte. Qu'est-ce que. Elles couraient partout, dans tous les sens et. Bah, des poules, quoi. Oui, je sais pas. Non, mais attendez, vous me dites que vous avez paniqué à côté des. Sur des poules. On a pas paniqué, mais Marcel, en fait, le problème, c'est que Marcel a dit n'importe quoi au capitaine. Oui, pas de jamais. Bon. On va utiliser nos droits. Hein. Qu'est-ce qu'il a raconté, ce con de Marcel? Déjà, dans son dossier, j'ai mis. Kiki dur et envie de baiser tout ce qui passe. Ah. Oh merde. Et maintenant, baiser de poule. Non, mais vous avez compris. Non, moi je suis triste du coup, 24 heures de mise à pied. Et. Vous êtes quand même conviés là, non? Oui, on est conviés. Bon. User joined your channel. Essayez de sourire quand même pendant la cérémonie. Je vais essayer. 26.99, t'es en dehors. Mais bon, si votre objectif c'est de buter des trucs, il faut aller à l'armée, hein, là c'est... C'est 39, tu me reçois? Oui, 2 secondes, je viens de me réveiller, 2 secondes. Bonjour tout le monde, 18, 99. Bonsoir. Bonsoir, Mehmed. Je confonds tout le temps. Ils sont décalés. Ah oui, ils sont décalés. Ça va, pourquoi c'est pas Garcia qui a été confondu avec quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il a fait. Il a travaillé de nuit. Oui, peut-être. Mais pourquoi il vient pas, monsieur Cage, à la cérémonie? Monsieur Cage, il vient pas à la cérémonie. Ah bon. Très certainement parce que. Il a pas l'air là. Ah, je sais pas. Je crois que monsieur Cage est fatigué. Ça faisait plusieurs jours. Oh la merde. Qui travaillait d'arrache-pied. Attention au véhicule, bordel. Ah oui. Qui travaillait d'arrache-pied. Donc, il a bien besoin de repos, le Cage. Oui, j'imagine.
Bah dis donc. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais 22 reprends ça. C'est pas là la route, c'est le bas-côté. Vous savez que c'est le lieutenant là? C'est pas bien de doubler un virage. Ah vous allez prendre cher, je vous le dis. Miscat. Mais il va sur le bas-côté alors que j'étais devant. Les véhicules, garez-les s'il vous plaît. Oui, il faut les garer. Non mais. Pas devant. Garer, il a dit. Garer. Mais qu'on les gare sur la pelouse là? Mais non, là, sur le parking à gauche. Ah bah c'est... D'accord. J'avais pas vu. Non. C'était qui? C'était Corso là-dedans? Oui, je crois. Non, Garcia, non? Je sais pas. Je sais pas, il y en a que j'ai jamais vu qui arrive maintenant. Oui, moi aussi, j'ai un que j'avais jamais vu, que j'ai croisé au vestiaire. Il a des cheveux bleus. Oui, lui, il a l'air spécial. Oui, un peu. Il m'a parlé de Spartacus alors que je l'ai jamais vu. Ah, étrange, oui. Allez, remuez-vous, ma cocotte, hein, parce que vous marchez tout lentement, là. Ouais, c'est normal. Je suis triste. Eh oui, mais faut pas le montrer, là, hein. Faut pas montrer que, à cause de ça, vous êtes faible ou que sais-je. Je sais pas. La tête haute. Ils ont préparé des trucs et tout, hein. J'ai levé la tête juste pour la cérémonie. Voilà. On montre qu'on n'est pas battu, qu'on est une femme forte. J'avais fait une annonce aussi, mais vous pouvez faire en ville, ouais, s'il vous plaît. Négatif, les véhicules sur la pelouse sont déjà... Bonsoir. Bonjour. Bah, bonjour. Je vais faire une annonce via le palace, que j'ai pas d'autre moyen en fait. Pardon? Je vais faire une annonce via le palace. Faites donc, okay. Y'a pas de soucis. Ah, ils sont beaux, mes petits cadets. Bonjour. Bonjour lieutenant. C'est lui qui va doubler. Ah, ou... du coup, vous avez pris la chemise comme ça, le capitaine? Ouais, histoire d'être plus officiel. Bon, je vais faire pareil. Il me reste combien de temps? 6 minutes. C'est peut-être pas nécessaire. Dans le coffre, non? Ouais, on va voir. Dans le coffre, je doute qu'il y en a. Non, j'arrive pas. Ah. J'arrive pas à retenir leur tête encore. On fait un lanceur à 21h10. Ok. 21h10. Genre lui, c'est qui là? T'as le temps que tout le monde s'installe. Quoi? C'est pour Cooper, tout le monde, non? Oh merde! Waouh! Oh shit! Quoi? Discrimination envers les femmes, je note. Harcèlement, harcèlement envers les femmes. Bravo. Désolé, hein, vous allez bien? Vous saignez! Mais non, ça dit pas, non, ça crie sur le musculaire. J'ai un petit mouchoir dans ma poche. Ouais, il est un petit peu collant, mais vous le voici. Ah merde, ça va? Tenez, je vais vous passer mon petit mouchoir. Remettez votre casquette, allez-y, vous pouvez la remettre. Surtout qu'il y a eu une tempête, hein. Il a l'air spécial, lui. Ah, j'avais croisé au début avec. Ah non, je l'ai jamais revu. Désolé, hein, j'étais crispant. Salut, Todes. De tout ça, du coup, la position que je me trouve là, vous mettrez sur les dalles de... en carré là. Ah, alors attendez, j'y avais pensé. Alors en fait, c'est vous qui animez la soirée apparemment. Oui. Ok, bah en fait, vous montez au-dessus des marches et eux ils se mettent soit en bas, soit inverse. Vous les mettez sur les marches en garde à vous, ce qui est pas mal, hein, au-dessus des marches, et vous en bas, comme vous voulez. D'accord. Ça me semble correct. D'accord, pas de soucis. Je pense que, ça serait pas mal qu'ils montent au-dessus. Donc vous voulez vous êtes pas sûr que vous voulez pas les mettre dans le hall, enfin dans la halle là? Ça aurait été avec toutes les voitures, tout ça, ça aurait été pas mal, non? Ah, comme vous voulez. Ok, je sais pas, capitaine, vous en pensez quoi? Pas de James. On fait des tests, hein. Les deux me vont. Où? Camshot, c'est un infiltré, il incruse dans les gangs pour avoir des infos. On va tester, allez, mettez-vous tous sur les dalles, s'il vous plaît. D'accord. Moi, un paradage. Je l'ai vraiment jamais croisé. Non, devant moi, dans le hall. Ça fait quand même plus d'une semaine que je joue Peggy. Et vous tournez vers moi, hein. Ah, vous avez mal compris. Vous mettez sur les dalles, là, par terre, un par carré, et vous me tournez vers moi. D'accord.
Attends, c'est où le salut là? Kabel. Un par case. Et ta tenue s'il te plaît, tiens-toi droit. Quelle position? Je sais pas. Garde. Non, c'est pas ça. Elle est où? Salutations. Non plus. Travail. Non plus. Dans quoi, merde? Salutations. Salut militaire. D'accord. Merci. Quand il est dans le gars, tu le reconnais pas, il change de voix, de coupe Marcel, et tout. Marcel, tu fais quoi là? D'accord. Il faudrait peut-être que je fasse. D'accord. Ok, merci. On va laisser les gens se mettre sur les marges alors. Ça va venez, venez. Messieurs, dames, je vous invite à aller du côté des marges, du coup. Non? On dit des marges, capitaine! T'es en tenue carrément, Sartek? Va-t'en. Enfin, tu t'es bien habillé. Par contre, je vous ferme pas. Comment tu vas? On respectera un jour. Écoute. L'espoir fait vivre, oh, comme on dit, Captain. Écoutez. Pourquoi c'est Corso qui le fait, ça? Vous êtes pas obligé de vous mettre au garde à vous, messieurs. Ah. C'est un test de mon bras. Non, est-ce que tout le monde nous entend? Dans le fond, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous escape, capitaine. Je m'adressais surtout à Boukabel qui est dans le fond, par exemple. Boukabel. 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 Boukabel qui est pas en rond, d'ailleurs. Tu crois que c'est le moment de discuter maintenant ou pas? Mets-toi dans ta case, respectif. On dirait qu'on l'entend pas. Du coup, je repose la question. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ouais, avec les dames dans le fond. Oui. Parfait. Ok, c'est parti. 26 pour 78, tu entends ou pas du fond? Y'a que deux fans. On va, allez, on va peut-être demander aux gens derrière. Ok, un homme. Un peu plus, non, ils nous entendent, je pense. Je pense qu'ils nous entendent. Hein bah, ouais. Par contre, je vous rassure, hein, c'est ouais. Je n'ai pas trop l'impression. Peggy, c'est vraiment une fille. Hein. Ouais, 78, pas grave. Pas, c'est ça, en fait, tu posais la question, pas mais. Travesti. Rapproche-toi, 78, si tu nous entends. Là, tu nous entends? Ouais. Là, je vous entends bien, là. D'accord, on va partir sur un système de trois lignes alors. Boukabel et Mademoiselle Bizarre, approchez-vous. Non, tout en gardant les mêmes distances, s'il vous plaît, par contre. Allez, voilà. Comment casser un beau truc qui a été fait? Non, vraiment, mettre Boukabel au milieu, je crois que c'était le pire choix. Non, je crois que c'est le meilleur. C'est bon. Non. Ça ira très bien comme ça. C'est une histoire de couleur. On va encore un peu attendre. Meilleur 10. On attend 20 pour Alain. Négatif, on est négatif. À la Maison Blanche, ancien observatoire. Oh là 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 là. Il faut suivre les informations. T'es sûr de ta décision, Corso? C'est moi qui a fait l'appel. Ok. Il manque qui là? 26 il manque 20. Pour Clinton. Votre bril, hein. Après, si je m'appelle, c'est enculé. Il est enculé, non. Hein. Prépare un discours. Et il a vraiment préparé un discours et tout. Vous avez encore 9 minutes pour arriver. Ah, ça veut dire qu'on va rester 9 minutes là. Ça t'est décalé parce que des personnes sont en retard, ne sont pas à l'heure. Ah, bravo. Un blab. Kabel. Je pense que t'es moins bien placé pour parler.
Ah, les gens ils s'en foutent parce qu'ils savent que c'est un discours, mais moi je serais pas venu, frère. Pas de soucis, on vous attend. Qu'est-ce qu'ils ont à branler du discours de l'Espidi? En vrai, ceux qui sont pas dedans, ils s'en foutent un peu. Quelqu'un aura une petite musique de cérémonie pour l'Espidi? Négatif. Là, il y a la juge Barry, et l'autre je sais même pas qui c'est, la meuf aux cheveux. Là, il y a Ange Scooter. Un peu encore. Elle, je sais. C'est Abby ça? Je sais pas qui c'est, le mec là-bas avec le sac, je sais pas qui c'est. Ah, excusez-moi. Alors, ils se sont fait chier, ils ont fait une petite présentation et tout. Ils se donnent quand même hein, sur le serveur. Allez, mesdames, messieurs, dans à peu près 8 minutes. Ouais, mais même, je pense qu'ils en ont rien à branler. Ça aurait été les militaires, ça aurait été la même, je pense. J'arrive ou j'entends la voix de Cage? Oui. C'est la détente. Quoi? Ça va, et vous? Cage, as-tu vu le push talk de votre radio, s'il vous plaît? Sound, on va se mettre directement au truc. Je déconseille d'y aller avec activer votre radio, on en a pu parler, Cage, parce qu'on vous entend, là. Effectivement, oui. Et bonne détente. Excellente même. Ouais voilà, fallait faire un buffet là, les gens seraient venus. Ou un méfait en moi sur le casier. De 99, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la position parmi SMS s'il vous plaît? Il a déjà envoyé. J'ai refait un message. 83, si tu me reçois, dès que tu arrives, on est à l'ancien observatoire hein, pour une remise des grades, etc. On t'attend là-haut. Marcel? Oui. Regarde bien, je vais finir commandant. Moi aussi. Il y en a en tout cas qui ont vraiment de l'espoir. Hein. Boukab, s'il vous plaît, vos téléphones, on les range. Je sais vraiment pas ce qu'ils ont prévu pour moi, pour le coup. Il y aura une photo souvenir. Parce que officiellement, je suis. Quand je serai commandant. Alvarez. Les gyrophares de vos véhicules, s'il vous plaît. C'est relevé? Non. Pour le coup? Si, pour le coup, ouais, c'est pas la mienne. Hein. Ouais, on fera ça après. C'est pas la mienne. Il fait la cérémonie finie. Donc. Franchement, c'était pas grave. Il s'en verra absolument pas en l'air. Pour... C'est ce que je vais faire. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour moi parce que. C'est bien ça. Parce que officiellement je suis cadet. Ouais, c'est ouvert au public. Ouais. Ah, y'a pas grand mais... monde. Hein. Bonsoir, messieurs. Officieusement, je suis. Bonsoir. Je suis officière et même. Secrétaire général de la LSPD. Parce que regarde là, rien que de mon point de vue, je vois déjà que les colonnes partent en cacahuète. Mais bon, alors si on commence à les faire sur les marches, ça va être même plus présentable. Boucabelle 2 fois. Gage, prise de service. 10-4, rejoins-nous à l'ancien observatoire pour Agnès, les forts vélos, c'est la merde. Affirmatif, j'arrive en scooter là. C'est bien, c'est mieux le scooter. Vas-y. D'accord. Oula. Non mais il est en plein freestyle aujourd'hui hein. Ouais, après, il y a sa défense il s'est pris des balles hein. Très très bonne détente hein. Comment ça ce qui m'arrive? Faut vous mettre derrière moi. J'ai reçu un message tout à l'heure donc j'étais un peu... Ça va pas très bien comme mon ami. Après le discours tous, vous mettrez sur les côtés parking central sur le port des dalles, vous regarderez en face. En face de vous, nous appellerons un par un les personnes qui reçoivent une promotion ce soir. Est-ce que c'est bien compris? Ils sont pas très beaux, quand même. Montrez-leur l'information où il faut se mettre. D'accord, on va faire un test. On va faire. Vous mettez sur les côtés, s'il vous plaît. Vous faites des lignes. Allez, sur les côtés. Et après, vous regardez en face. Restez sur les dalles, par contre. Parfait. Je veux que ça soit égal. Que moi, une personne regarde une autre personne. À droite, Poucabelle, un peu mieux, s'il vous plaît. Oui. Le tout dernier à gauche. Vous êtes pas du tout centré, monsieur, là, derrière. Faut vous décaler, la dalle, là, au milieu de la dalle. Ah. Mais mettre, faut que tu sois pile en face de 26. C'est bon, là Marcel, t'es sacrément beau comme ça. Alors, ici. Parfait. Hop la tête.
C'est bon, tout le monde est présent là? Faut que tu recules un peu, là t'es plus dans la ligne. Je vais inviter les gens du public à s'approcher du coup. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, messieurs, ça c'est à peu près une ligne. Bonsoir, sergent-chef. Du coup, je vais vous inviter à vous approcher, on va commencer la procédure. 3 minutes pour tous. Ouais, putain, non, ça dure un moment. C'est juste une simple cérémonie publique. Ouais, c'est bon. Dans les environs. Comment le dire? Argent chef, je vous invite juste à rejoindre les rangs flippers. Ouais. En face, ouais. Voilà. Bon. On garde les lignes comme ça. Ou... À titre de vérification, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Oui, mademoiselle Bizarre, oui, vous m'entendez? Oui, capitaine. Voilà. C'est parfait. La personne civile fait partie de nos rangs. Quoi? Ouais, juste éloignez-vous légèrement. C'est gentil. Non, mais on a vu, mais je parlais à mon sergent-chef, hein, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas sergent-chef, monsieur, voyons, vous n'avez pas le style. Oh. Un dit le charisme. Un daglon, d'accord. Blue-glone. On va attendre, je crois qu'il y a encore un petit public, là, il en reste quelques minutes. Cœur, recule un minutes. Tout petit peu. Quoi? Un tout petit peu recul pour être bien aligné. Voilà. Je crois que ça, c'est le pareil, procureur. Pareil, 18, un tout petit peu. Je crois que monsieur procureur arrive. Ah, ben, nickel, monsieur. Voilà, il fait bien de te courir comme ça, là. J'ai peur pour son cœur, non? J'ai dit quoi, le téléphone? Merci. Vous avez écouté le nouveau rap du procureur? Il est incroyable. Vous qu'appelle, trois il fois. Fait, il a fait un rap. Et par contre, ça commence à bien faire, là, par contre. On m'appelle, excusez-moi qu'on m'appelle. Ouais, ben, vous coupez votre téléphone. Cavel, je pense qu'il va se faire jeter. Ouais, ça pourrait être fait en privé. Oh, comment ça va? Je vais le mettre un peu d'odeur dans la... Mesdames, messieurs, nous allons débuter notre cérémonie par le discours du lieutenant. Je pense le discours du capitaine et potentiellement le discours du procureur. Mesdames, messieurs, cadets, officiers, sergents, garde à vous, s'il vous plaît. Ouais. Prenez votre temps. Y'a pas de problème, prenez votre temps. On va commencer. Bien. Officier, cadet, bienvenue à vous dans cette cérémonie de promotion. Vous êtes ici pour célébrer un jour de rencontre. Un jour où nous brillons dans le noir le plus complet de la ville. Et nous nous présentons en face... du peuple et des citoyens de Los Santos. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de vous présenter humblement à nous. Aujourd'hui, vous allez recevoir pour certains et certaines un nouveau badge. Ce badge récompense vos efforts, récompense votre travail et le service rendu à Los Santos et ses habitants. Mais ne voyez pas ce jour comme... une promotion pour tous. Si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, il faudra redoubler d'efforts et briller un peu plus le lendemain. Vous êtes tous de la famille, qui est la CSPD, et je suis fier de vous voir ensemble, unis, contre la criminalité et le terrorisme. Je vais laisser la parole au capitaine James. Il attendait des applaudissements peut-être. David. Tout d'abord, bonjour messieurs, dames. Merci au président de nous honorer de sa présence pour cette cérémonie. Monsieur le président. Non, ça, c'est toujours un honneur de vous voir, monsieur le président. Alors. C'est qui le président là? C'est le mec au milieu. Peut-être pas, on n'était pas certain que vous veniez. Du coup, écoutez, c'est. Après ces dures semaines que la ville a passées. Laissez-moi tout d'abord vous dire que je suis vraiment fier. Fier de ce que la SPD est en train de devenir. Fier de ce qu'elle est déjà devenue. Et fier de vous compter parmi nos rangs. Tous et toutes. Actuellement, on a traversé une période difficile. Ah ouais, c'est... Je me répète dans les faits. Mais je pense que c'est utile de le préciser. Le poulet. Et on est en train de voir des jours meilleurs. Oui, le capitaine il stream. Et ça,
on vous le doit. Attends, la ville vous le doit. Tout le monde, ainsi que le gouvernement. Sans plus attendre, je vais passer le micro, entre guillemets, à mes collègues. Et on passera à la suite, histoire de ne pas s'éterniser. Mais bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous. De rien. Félicitations. Monsieur le procureur, si vous voulez dire un mot. Ben je Marcel. Et... Ouais, merci. Je vous donne le micro. Allez-y. Procureur. Merci. Pour ceux qui me connaissent pas, bah, je me présente, monsieur le procureur. J'ai pas encore pu m'entretenir avec vous tous. Mais du peu que j'ai pu voir, vous êtes une équipe soudée. Par rapport à l'ancien Lespidi, vous étiez des gens disciplinés, des gens polis, des gens aimables avec les peuples. Votre mission principale, à ce que je vois, c'est de protéger les citoyens et de les servir. Et ça, c'est honorable. Pendant votre carrière, vous serez peut-être amené à peut-être risquer votre vie, surtout dans cette période où nous vivons une période de criminalité. Et encore une fois, c'est tout à votre honneur. Donc, je ne vais pas m'éterniser, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie pour votre travail, je vous remercie pour votre discipline, et je vous remercie pour tout ce que vous faites dans cette ville de Los Santos. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur le procureur. Madame la juge, je souhaite vous inviter, si vous souhaitez dire quelques mots. Elle aurait pu faire un petit rafle. Non, Y a pas de soucis. Non, vous inquiétez pas. Mesdames, messieurs, nous passons maintenant à l'étape de la cérémonie. Faudrait l'interroger, d'ailleurs. La plus importante, c'est-à-dire les promotions et remises des badges. Nous allons commencer par les cadets de l'Académie de police. Vous êtes tous le renouveau de la SPD. Vous êtes le phare de la nouvelle lumière de la SPD. Et je vous remercie d'être parmi nous. Qu'est-ce qu'il y a avec les phares ? Nous allons commencer sans plus attendre par le tout dernier en bas. On va commencer. Attendez. Cadet Max Carter, présentez-vous à moi, devant moi. Ça, c'est stylé quand même. À vous, s'il vous plaît. Cadet Max Carter, vous avez servi avec devoir et servitude. Vous avez su briller au sein de nos rangs. Je suis heureux de vous remettre ce badge d'officier. Félicitations à vous. Merci, monsieur. Félicitations. Au revoir, collègues. Félicitations. Félicitations. Ouais. Retournez là. Félicitations. Félicitations. Regardez comment félicitations. Il maintenant. Enfin, ouais, Juste au-dessus des cadets, je remettrai les badges au moins. Par simplicité. Ouais, pas de soucis. J'appelle l'officier. Pardon, excusez-moi. J'appelle le cadet Peggy Bizarre. Cadette, s'il vous plaît. Présentez-vous à moi. On sait ce que je vais te dire. Garde à vous, cadette. Cadette Peggy Bizarre, vous êtes présentée à nous pour travailler dans le travail le plus dur qui soit l'administratif. Vous avez proposé directement vos compétences pour servir la plus noble des tâches et qui commence dans les bureaux de la SPD. Et à cet instant, je suis heureux de vous remettre ce badge d'officier. Félicitations à vous. Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations, cadette. Ouais. Félicitations, cadette. Félicitations. Félicitations. Ce n'est pas terminé, s'il vous plaît, cadette, officier, revenez. Ah, pardon. Officier, je vous remets cette assignation aussi. Vous êtes nommé au sein de la SPD comme secrétaire général en charge de l'administratif de la SPD. Mes félicitations de nouveau. Bravo, bravo. C'est bien. Félicitations. Félicitations. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Bravo, madame Bizarre, bravo. Vous ne me décevez pas. Retournez les remercier. Super. Ah bon, c'est le rang que j'avais déjà. Hein. Bien. Malheureusement, les cadets que nous avons vus pour ce soir est terminé pour la promotion. Pour le reste, vous devrez attendre la prochaine session. Mais ne perdez surtout pas espoir. On a vu beaucoup de personnes qui avaient de formidables compétences. Ça fait mal, ça. Beaucoup de personnes qui nous ont montré
tenez à la SPD, mais pour nous c'est beaucoup trop frais pour cette. On souhaite que vous montrez un peu plus vos compétences, et je pense que vous passerez un jour. Ne soyez pas déçus, au contraire, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Oui, c'est pris un accent du sud. Nous passons maintenant aux officiers. Nous avons à cet instant deux promotions. Enfin, on va arrêter avec le salut. Deux personnes vont être appelées. Je demande, s'il vous plaît. Bon, du coup, j'ai le grade que j'avais déjà. Vous présentez mais... devant moi. Mais non. Tony Garcia, regardez à vous, s'il vous plaît. Alors, c'est difficile. Pas de souci. Tony Garcia, vous avez été arrivé tout frais en qualité d'officier au sein de nos rangs et vous avez montré des formidables compétences au sein de nos rangs. J'ai été quelque peu bluffé et l'état-major me suit dans mon raisonnement. Je suis heureux de vous remettre ce badge doré de sergent. Félicitations. Merci. Félicitations. Félicitations. Simon Pounet. Félicitations. Je vous invite chez moi. Non, venez chez moi, sergent. Félicitations. Avec moi. Merci, monsieur. J'appelle devant moi, s'il vous plaît, Adriana Alvarez. Elle va devenir sergente, elle. Putain. Elle est tout le temps bourrée. Regardez à vous, s'il vous plaît. Adriana Alvarez, vous êtes l'une de nos plus anciennes officiers au sein de la SPD. Ah ouais, voilà. Nous sommes très heureux aussi de vous avoir dans nos rangs et nous sommes très heureux de voir vos compétences et votre servitude au quotidien. Je suis très heureux de vous remettre enfin ce badge de sergent. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations, Alvarez. Vous pouvez attendre. Ouais, elle est bourrée. Après, c'est son perso, elle le joue bien, mais. Bien, c'est vrai nous que passons bon, maintenant. C'est par ancienneté, on va dire. L'officier, c'est terminé pour ce soir. Comme je l'ai dit pour les cadets, ne lâchez rien, continuez à faire briller. N'oubliez pas Alvarez. N'oubliez Alvarez, venez s'il vous plaît. D'accord. Oui, pardon, désolé. Continuez, lieutenant. Je vous en prie. Continuez à vous présenter, à présenter vos compétences. Faites en sorte de briller tous les jours. Dites-vous que le grade de sergent, c'est un poste très important. Oh putain, donc, va me donner des ordres. Et si vous souhaitez monter, montrez vos valeurs, montrez vos compétences. Nous passons maintenant à une nouvelle promotion surprise pour ce soir. Je vais appeler Nicolas Flipper se présenter devant moi. Lui mérite. Regardez-vous s'il vous plaît, sergent. Ça, qu'il est beau. Sergent adjoint Flipper. Vous avez montré de formidables compétences au sein de la SPD. Et pour ma part, j'ai été très satisfait de tout ce que vous avez fait pour la Police Academy avec le sergent chef Cage. Je suis très heureux de vous remettre ce nouveau badge de sergent chef. Félicitations. Félicitations, Flipper. Félicitations. Ouais, félicitations. Hein. Vous allez vous rendre dans les terrains, s'il vous plaît. Merci. Félicitations. Venez chez moi, Flipper. Mesdames, messieurs, nous avons encore une promotion. Non, une promotion très importante au sein de la SPD. Nous accueillons une nouvelle personne dans l'état-major pour ce soir. Cage. Cette personne nous a montré des compétences au-delà de nos espérances. Et je peux dire que je suis très fier de cette personne et que sans elle, la SPD ne serait pas comme ça aujourd'hui. Marcel. J'appelle Sean Cage à se présenter devant moi. Elle lui mérite. Bien. Sergent chef Sean Cage, vous avez transformé l'image, le visage de la SPD et de la Police Academy. Je suis pour ma part très honoré et très fier de vous remettre ce badge de lieutenant. Ah, il a une belle voix, Baron. Félicitations. Félicitations, Cage. Merci à vous, lieutenant. Je vous en prie, je vous invite à rejoindre le capitaine, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Il a une voix magnifique. Hein, ouais. Ah, merci à vous. Très, très bonne équipe. C'est le bon badge, on est d'accord ? Ouais, c'est bon, parfait. Félicitations. Merci à vous. Lieutenant Kel, si vous souhaitez dire quelques mots, vous avez la possibilité. Je vous invite. Bah, c'est parti.
Bon, du coup, je tenais à féliciter toutes les personnes présentes ici, que ce soit cadets, officiers, état-major. Je pense qu'on s'est serré les coudes. On a réussi à faire de grandes choses et j'espère que ça va continuer. On va essayer de coincer un maximum de criminels et de crétins là, qui se promènent dans la nature et essayer de faire un maximum pour cette ville. Voilà. Je compte sur vous tous. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas déçu. J'espère que ça va continuer. Merci à vous. Félicitations, lieutenant. Bravo. Félicitations. Mesdames, messieurs, je suis très fier de vous voir tous ici, comme je l'ai répété depuis le début. Vous constituez aujourd'hui la police de Los Santos. Vous constituez le bouclier. T'es pas le bienvenu, la liste. Attention, c'est sérieux ici. Citoyen, et je suis très fier du travail que vous faites chaque jour. À cet instant, je veux que vous soyez fiers de porter cet insigne. Et qu'à l'avenir, vous soyez plus formidables chaque lendemain que nous le traversons. Je vous souhaite à tous une bonne continuité et félicitations à tous les nouveaux promotions. Merci à vous. Félicitations. Ouais. Félicitations à tous. Ouais, je m'appelle. Merci à tous. Ouais, monsieur le Président, c'est bon. À part si vous avez un petit mot à dire. Vous avez quelque chose à dire, peut-être, monsieur le Président. Allez-y, je vous en prie. Bon, aussi à tous, à vous remercier pour le boulot que vous faites. Franchement, vous faites du bon boulot. Continuez comme ça. Franchement, Speedy est toujours bien, est toujours c'est là. C'est quoi, stocker ? En sécurité. Franchement, merci à tous. Juste une petite suggestion là, quand je passe au commissariat, au moins préparez-moi des donuts avec du café. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas, Alvarez, vous préparez les donuts. Jure-moi. Et chocolat, s'il vous plaît, pas fraise, hein, chocolat. Hein, chocolat. Hein. Merci. Merci à vous, monsieur le président. Merci à vous. C'est con, lui. Bien, le temps, ils sont à vous pour ce soir. Je vous laisse faire le dispatch. On va. Au revoir, passez une bonne soirée, bonne chance. Merci. Oui, merci. Au revoir. Merci à tout le monde. On va peut-être se mettre sur un côté pour. Oui, ça c'est le résultat. Oui. C'est vraiment c'est beau, Tony. Oui. Ah, je comprends pas pourquoi. Vous voulez faire. Oui, bien sûr. On va faire ça. C'est une bonne idée. Bon, on a carrément droit des. 14 juillet. Ah, c'est magnifique. Waouh, des feux dentifrice. Des feux d'artifice, c'est ça. Ah ouais, super messieurs, dames, je vais vous inviter pendant le feu d'artifice à vous placer tous ensemble pour une photo de groupe sur les escaliers. Tout ça. D'accord. Allez, c'est parti. C'est vraiment splendide. C'est un honneur de quoi, ça. Monsieur le procureur, vous auriez pu faire un petit rap, là. Bah oui, bah oui. Marcel. Les agents, vous prenez la photo, c'est ça. Qui prend les belles photos. Non, mais on va pas faire un selfie. Ouais, par contre, ouais. Plus si vous c'est pouvez vous décaler. Oh, quoique, non, finalement, il est pas mal là. On va garder la mascotte avec nous. Futur président. Futur président, ouais. Quelle est cette belle plante? Une orchidée. 99. Un peu de tenue pour la photo. Ouais, bah. Tiens. Mais il reste vraiment là le bouffon là. Marcel. Boucabel. Des couilles. Vraiment, Marcel. Oui, il y a vraiment de chance. Excusez-moi, non, je sais. Marcel, il va souffrir avec moi. C'est toi, toi. Toi, t'es toi. La photo est prise. Ça serait pas la photo, j'ai un cheeseburger qui m'attend dans le micro là. Vas-y, va. Oh. Cours. C'est bon. Ça a l'air d'être bon, je pense. Je vais aller vérifier. Ils ont mis des pellicules ou quoi là. C'est bon ou. C'est bon. Non. On est pas mal quand même, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, messieurs, dames, on est 15 notre quand beau même. Lieutenant 16 avec. Edge va effectuer le dispatch pour aujourd'hui. Je vais vous demander d'agir comme si on était au sein du commissariat. Donc, on va se replacer en rang. Avec les cadets tout à gauche, les officiers au milieu et les sergents à droite, afin que notre lieutenant effectue. Capitaine, votre gauche ou notre gauche, non.
que des... votre droite, donc ma gauche. D'accord. Tranquille. Félicitations très bien, encore, très bien. Cage, hein. Félicitations. Félicitations. Merci, merci. Extrêmement plaisir. Ok, donc à gauche on a les cadets, à droite on a les... Okay, ça, parfait. À l'exception de... des deux cadets qui prennent une fin de service, hein, pour la raison. Affirmatif. Ok, bon. Alors je connais pas encore tous les matricules, mais on va mettre Alvarez avec... avec qui ? Juste ah, fait, Boucabel. Je reviens. Alvarez, tu peux me citer ton matricule s'il te plaît ? Vert, je suis ici, vert. Ouais, oui, je sais ton matricule. Le beau jeune homme devient devant moi, là. Oui. 17. Ok. Alvarez, 17. Attends. Vous allez en Adam tous les deux. Monsieur Omar. Vous pouvez y aller. Ok, merci. Allez-y. Ok, alors. Kurt, c'est ça ? Ça va, Omar, parmi Marcel ? Ok, Kurt, tu vas prendre... Attends, mais Omar McCall est devenu... Celui qui a la bougeotte, là, derrière. La bougeotte. Est venu la bougeotte. Sergent. Allez-y, vous allez en dame tous les deux aussi. Patrouille secteur nord pour vous deux. Bien reçu. Ok. Cadette, vous faites les patrouilles ou pas ? Enfin, officier plutôt. Ouais, vous faites les patrouilles. Elle est secrétaire, bah, c'est bizarre. Attendez deux secondes. Ouais, mais si elle est secrétaire, elle peut faire les patrouilles. Voilà, excusez-moi, répétez, je vous prie. Est-ce que vous faites les patrouilles, Mademoiselle Bizarre ? Normalement, c'est pas dans ma fonction principale, mais s'il y a besoin... Très bien, oh, je vous le demande, si vous voulez, allez-y, si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose à faire, dites-moi, je fais... Bah écoutez, je pense qu'on a assez d'effectifs hein, pour les dispatchs, donc... Eh bien, je vais m'occuper des gens au commissariat, alors. Très bien, Mademoiselle Bizarre, merci à vous, et félicitations pour votre promotion. Merci à vous aussi. Ok, ouais, bah, officier. Je veux pas te régénérer comme un hamster, échanger, comme ça t'ira mieux. Officier. Mmh. Officier, matricule. Quoi ? 07. 07, très bien. Pour un vrai cas, 07, vous allez vous mettre avec le bel homme à la casquette, là. Vous allez partir en Adam. Allez. On fera des X-ray plus tard. Moi, je retourne au commissariat. Et on va s'occuper de tous les guignols qui vont arriver. C'était laquelle la mienne ? C'est celle-ci. Hein. Oui, j'y arrive. Parce que les guignols, c'est pas ce qui manque. Hein. Hop. Monsieur, maître Van. Qu'est-ce qui t'arrive dans... Oh, Jean, je te parle. Ouais, mais qui ça va pas? Mais voulez-vous que je vous raccompagne en ville? Vas-y, on y va, il y a pas mon fils. Vous parlez plus. Ah, doucement. Non. Ah, ce n'est que 24 heures. Prenez ça comme des vacances. Oui. Vous êtes déçu parce que vous avez pas été promu. Non. Ça, je le comprends, ça fait pas longtemps que je suis là. Oui, mais ça va bien aller. Bah, suivez plus Marcel dans ses conneries, hein. Oui, je peux traîner avec lui. Oui, oui, vous approchez pas de lui. Marcel, je pense qu'il est trop, con pour devenir officier. Ah ouais, je l'ai même pas vu arriver, Van. Tant pis. J'aime bien Van aussi. Il est rigolo, il est intelligent, il a une bonne verbe. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de votre journée ? Vous allez pas boire du noir quand même. Je vais voir. Profitez-en, allez faire du shopping, j'en sais rien. Allez en ville.
Vous avez un mec à... Lang. Pardon ? Vous avez un mec, Lang. Non, j'en ai pas. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion, vous avez un jour de repos. Ouais, je vais faire ça. J'ai dit quoi ? Boire du noir. Pouah. Au début, en plus, je crois que j'étais parti sur broire. Hein. Je sais pas, j'ai changé, j'ai dit boire. Cadet à vie. Ah ouais, ils sont très bons les deux. Le problème, c'est que quand Van il est lancé, trop Jean, il a du mal à rebondir. Et bien sûr, félicitations. Merci. En soi, entre nous, j'étais déjà officieusement officière. Hein. Ah. Voilà, c'est officiel au moins. Voilà. Pas très bas, bordel, hein. Merci. Je vous en prie. Allez, hein, vous vous changez et vous allez vous changer les idées également. Oui, je vais faire ça. Allez en ville comme tous les autres glandus, vous allez traîner à la place des cubes et vous papotez, vous racontez des potins et des conneries. Mmh. Et puis qui sait, ça se trouve vous allez apprendre des choses sympathiques. Mmh, peut-être. Comme ça vous en ferez profiter la LSPD. Parce que là vous serez pas en tenue et tout, vous avez qu'à jouer à... À faire une nouvelle vie, et puis voilà. Oui. Vous dites pas que vous êtes cadette, machin truc, et mais puis... Mais y'en a qui savent, je peux dire que j'ai démissionné. Oui. Voilà, tu dis que t'as été mise à pied, les gens ils vont pas comprendre. Oui. Ils vont croire que ça veut dire démission. Oui. Lui c'est Omar McCall, mais lui j'ai pas compris par contre, genre il est passé de... De cadet à... Parce qu'il était cadet, hein. Madame. Félicitations, Alvarez. À vous aussi, félicitations. Merci bien. De rien. Ah ouais, attends, eh bien. Allez, arrêtez de déprimer. Je maintenant. Faire un tour. Voilà. Je vais faire un tour. Eh bien. Allez, on se revoit demain, vous inquiétez demain. Pas. Oui. On va passer vite. Une bouteille pour sa pro... Ah non, non, pas elle. Hein. Surtout pas. Sound resumed. Je vais remettre le son de la radio. Ah putain, il faudrait que j'aille acheter de la boue. Parce que là, je commence à être low. Disconnected from your channel. J'ai rien. Il ouais. Y en a un pas loin ou pas? Attends. Après c'est là-bas. Bon, vas-y, j'y vais rapidos. Pour tous de 54, donc le cadet Clinton prend le matricule 18 désormais. Bien reçu. 10-4. Essaye. Tu sais quoi? Ouais, vas-y. J'y vais juste rapidement.
en moto. J'en prends juste une petite moto vite fait. Je m'absente un petit quart d'heure, je reviens vite en service après. Cherche à bouffer. 10-4. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vous rappelle, vous avez un nouveau lieutenant. What the fuck? 10-4. Mais moi je vais quitter la radio du coup. Ah, mais okay. Bonne soirée. Ça c'est un bug. Bonne soirée, mec. Bonne soirée. C'est un bug donc il s'est rien passé. Hein. User disconnected from your channel. Alors. Adam va des patrouilles zone 1. Voilà. Bon patrouille à vous, Vin. Merci également à toi. Il devrait stocker un peu dans le coffre de la bouffe et à boire. Il y a beaucoup de vent. Ah, c'est sur l'excuse. Ouais. Il y a des voitures qui pop, ouais. Ah oui, c'est... ok, c'est pour ça que tu dis ça. Genre une tornade quoi. Non mais il y a... je sais pas si c'est moi ou si c'est le serveur. Je crois que c'est le serveur. Des voitures qui pop d'un coup là. Maître Van qui est dispo. Attends, on va mettre ça. Change la moto. Voilà. Le cerf va pas tarder à planter. C'est pas impossible. Normalement, c'est cette semaine qui change le. 26 pour centrale, question pour les lieutenants. Bah écoute. Le serveur. Au niveau la version. De Monsieur Eddie Smith, Sandrou, et qu'est-ce qu'on fait? Il est pas en cellule. Il devrait être normalement dans nos cellules, hein. Je peux aller vérifier s'il est là. S'il vous plaît. J'y vais. Ah, Kate, j'en écoute. Kate, j'en écoute, hein, vous pouvez... dites-moi. Non, j'avais posé une question par rapport à la arrestation qu'il y a eu hier. Félicitations. D'accord. Cette arrestation, c'est Sergent Chef Flipper qui s'en occupait, je crois. Donc moi je suis pas trop bon, j'appelle qui j'attends juste le rapport là. Depuis, salut Tarek. OK, très bien. Alors est-ce qu'il est là 1778, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Est-ce qu'il est quelque part? User disconnected from your channel. Il joue Kenny ou pas là? Il a pas l'air. Ouais, ils vont changer de version du serveur de ce qu'ils disent, on va passer genre de version 4 à version 10 directement. Donc il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités, et surtout... 65, bonne soirée à tout le monde, je repasserai peut-être éventuellement dans la soirée. Au revoir capitaine. Bonne soirée capitaine. Et surtout, ça va être bien plus stable, donc normalement, adieu les crashs et tout comme ça. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même bien chiant, c'est au moins 2-3 fois par soir, voire plus. Ça va, tu peux revenir me charger. Eddie Smith n'est pas dans nos cellules actuellement, il doit dormir. Aucun problème. Ok. C'est fermé, fermé. Ok. Alors déjà, on va boire un coup là. Manger un peu. Hop. Faut que sa voix soit en forme à Peggy. Putain, j'aurais dû boire devant là-bas, je suis con. Tant pis. Faut recruter des nouvelles personnes, je pense, pour la V10. Dans quoi, tu veux dire? Au niveau du staff? Déjà, là, ils veulent recruter un vice-président, donc c'est quelqu'un qui quand même va pas mal communiquer tout ça. Et faire avancer le RP du jeu.
Mais après, plus de staff, oui. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir plus de staff. Mais en vrai, c'est un boulot énorme. Du coup, Cadet, il faut qu'on retourne au magasin. Ouais, ça va pas. C'est un boulot énorme. Parce qu'en vrai, rien que moi, là, à mon échelle, donc de... C'est quoi cette merde que j'ai sur la tête, là ? Attendez. Ce 77, on a un Brian Johnson qui a une tenue de prisonnier sur lui, genre... Ouais, bah t'es Brian Johnson, attends. Un Brian Johnson qui a une tenue de prisonnier sur lui, genre. Où ça? C'est bizarre. Brian Johnson n'est pas recherché? Il a été ressorti, je crois. Il a purgé sa peine, normalement. Il a purgé sa peine, Johnson. D'ailleurs, faudrait peut-être que je mette sur... Le 26, c'est bon. Johnson, Brian. Normalement, c'est bon. Il est... Ok, très bien. Pour tous les cadets et toutes les officiers, etc., etc., tous ceux qui sont actuellement à Dame X-Ray Lincoln, veuillez vous présenter au magasin de vêtements le plus proche et vous mettre en tenue DEFCON, masqué, s'il vous plaît. Merci. C'est déjà fait. À des joueurs. Adam 07, c'est fait aussi. Peut-être que ça va augmenter la capacité du serveur, peut-être. Quand il n'y a personne, tu t'ennuies pas trop. Ben non, parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est que... Attendez. Ce que vous ne voyez pas, c'est ceci. Et c'est ce que j'allais justement dire, c'est que quand... ce que je disais par rapport au serveur. Genre moi, mon Adam échelle... Adam Vett, départ patrouille, zone 2 non. Et zone 3. Très bien, très bien. J'ai coupé le son. Ce que je disais, c'est qu'à mon niveau, si il y avait effectivement tout le temps, que ce soit dans l'après-midi ou le soir, autant de personnes qui a le généralement soir, c'est-à-dire environ au moins 60 joueurs, là, au fur et à mesure que la soirée va se dérouler, il va y avoir peut-être 80 joueurs minimum. Enfin, quoique, on est lundi. Mardi, putain, je suis décalé. Et du coup, quand il n'y a personne, ben moi je m'occupe de ça. Et regardez le bordel. Hein. Et je vous montre les chiffres. J'ai fait 70 casiers judiciaires. Ils sont pas tous remplis. Hein. 70 casiers judiciaires et photo, carte d'identité. S'ils sont bien faits, c'est comme ça. Donc ça, déjà, ça prend du temps. En haut, j'ai vu Madame Peggy Bizarre, pas Mademoiselle. Ouais, elle aime bien se faire appeler Madame Peggy Bizarre, mais elle a pas de mec. Par contre, elle a une touche avec le procureur. Donc à la limite... Si effectivement il y a personne dans le commissariat, vraiment, on peut essayer d'appeler monsieur le procureur et de faire un rendez-vous galant avec lui. Il y a toujours 80 personnes maximum. Ouais, mais après ça dépend des soirs, voilà. Le week-end, il y a forcément plus de gens, et etc., etc. Il n'y a jamais la capacité maximale, tu vois. Que tout le monde ne peut pas jouer le même jour, aux mêmes heures. Mais ils ont dit qu'ils... Ah non, MR c'est monsieur. M c'est madame. MLL. Ah ouais? Ah bah autant pour moi. Même eux comme ça? Ok, ben my bad. Je pensais que c'était M et MR. Ok, vous m'apprenez quelque chose, merci. MR, c'est Mister. Ah, ok. Ok, ben vous m'apprenez quelque chose. Merci. Et du coup, regardez, parce que j'ai pas fait que ça. Ça, c'est le truc des plaintes. Non, les casiers, j'étais ouvert. Affaires. Déposition.
Elle est Speedy Flashland. Voilà, donc là, ça, c'est déjà, ça prend du temps. Et si il y avait effectivement tout le temps autant de personnes, ce serait vraiment presque un deuxième boulot. Déjà, rien que ça, ça m'a pris pas mal de temps. Les plaintes, donc voilà. Là aussi, ça a pris du temps, d'autant plus que il y a certaines plaintes que j'ai dû redéposer. Là, vous voyez, c'était William McCall qui l'avait fait. Mais c'était dégueulasse, du coup, je l'ai redéposé. Là, pareil, Ryan Toofix, c'était une... Ah, d'ailleurs, il faut que je la reprenne, celle-là. Faut que je la refasse. Donc, à la limite, si le mec est dispo, là, Mr. Lorin, je peux l'appeler, lui demander de passer au commissariat. Celle-là, je l'ai redéposée aussi parce que Monsieur Toofix ne sait pas écrire. Voilà, bon, bref, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est réglé. Ça veut dire qu'on a des difficultés. Bref, voilà. Oui, comparé à avant, c'est vachement moins le bordel. Mais c'est moi qui ai proposé de faire tout ça. Pareil avec les affaires, voilà, chaque affaire, bon là je vais pas montrer parce que voilà. Après les dépositions, pareil, c'est des textes et des textes et des textes. Et ensuite les effectifs du LSPD, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je change des trucs dans les divisions ici. Alors attends, je vais mettre pour moi je vais mettre officier tac officière voilà il faudrait que je change, il faudrait que je redemande qui a été gradé machin truc parce que là attends, par contre celui que je sais c'est donc lui il est devenu sergent chef. Alors, à la limite, on peut le mettre là. Nicolas Flipper. Tac. Hop. Et du coup, Sean Cage qui est devenu lieutenant. Voilà. Ça d'accord, je sais. Ok. Et par contre, sur les cadets, vous vous souvenez qui c'était ? Mais attends, mais du coup, c'est qui est passé, genre, sergent d'un coup, là ? C'est lui, non ? Ou c'est... Non, Max Carter, lui, il est passé officier, non ? Si j'avais le temps et que je connaissais mieux GTA, je pense que j'aurais pris mon pied là-dessus. Ouais, c'est... En vrai, c'est le meilleur jeu hein, si t'as un bon RP, que t'es à l'aise. Ouais, au pire, je suis pas obligé de le faire tout de suite. Mais oui, là, c'est normalement, c'est toute la LSPD là. On est quand même pas mal, hein. Attendez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nous sommes 22 et demain il va y avoir des recrutements. Donc je vais essayer d'appeler Mr. Lorin là, je sais pas quoi. 25-20. Ah merde, ça fait chier ça d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il est disponible, Mr. Lorin ? Après, le problème, c'est que quand j'appelle avec le central, il y en a des fois, ils répondent pas parce qu'ils ont peur. Ils croient qu'on les cherche ou je sais pas. Si c'est le bon numéro. Il y avait quoi sinon ? Ami, 3976.
Ouais, son rapport, il est tellement à chier que je sais même pas si c'est un monsieur, si c'est une dame. On sait même pas qui est l'ami, on comprend rien à ce qui s'est passé. Yes, je connais Maître Van. Oui, je joue souvent avec lui. Il est cool. Au pire, il y a quoi comme... Mehdi Soulax ne sera pas là. Il y avait un truc. Il n'y avait pas... adjoint du SBI. Est-ce qu'il me parle là? Ah, c'est eux. Mettre... Donc, Soulax, non. Il n'y a pas Soulax. L'adjoint du FBI, il faudrait que j'arrive à le contacter. Scooter, je sais qu'elle est là, mais je n'ai pas besoin d'elle pour l'instant. Vous faites feu directement, hein. Vous chipotez pas ce genre de personne. Vous allumez sa putain. Oui, il est énervé. Tu vas bientôt faire la connaissance de Moussa Mbambila. Quoi, il arrive au commissariat là? Donc là, il y avait qui dans l'affaire? Monsieur Corso. Il est là, Corso, ou pas? Ok, très bien. Il faudrait vraiment arrêter ces systèmes de cross avec Zaryl Alvinson dans les grandes montagnes. Hein. Vraiment, par contre. Vous renvoyez, vous vous abattez si on continue de faire un feu de tempérer. Hein. L'auto-style Harley Davidson, il faudrait vous donner plus d'informations parce qu'il y a plusieurs types d'Harley Davidson. Il y a des westerns, il y a tout là. Donc essayez d'être un peu plus concis là. Désolé pour Adolf 07, on ne connaît pas toutes les motos encore par cœur. Sound muted. Bonsoir, mademoiselle. Madame Scooter. C'est fou, en plus il y a des gens, c'est des mademoiselles, et je les appelle madame, donc dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vieille que moi. Oui, peut-être. Alors dites-moi. Normalement, je devais voir Monsieur Corso. Je vais demander à la radio, en plus je devais le contacter là. Ils sont pas encore dans le nord, montez dans le nord. Merci. Attendez. Ouais, Corso, je patrouille dans son écharpe là. Corso, on aurait besoin de vous au commissariat. Pour quelle raison? Il y a une dame qui s'appelle Ange Scooter qui vous cherche et j'ai également besoin de vous pour une affaire. J'arrive de suite, avec patientez. Très bien. Il arrive. D'accord, merci. Du coup, je de rien. Passer. Oui, servez-vous, il y a de l'eau. Merci. Je suis sympa, non, je propose de l'eau. Du coup, moi, je vais avoir besoin de lui pour ça, là. Pour je vous laisse valider... faire, les collègues, du coup. Valider ce truc-là. Ça, c'est quoi? C'est Carl Davis, Adriana Alvarez. Vin, si tu peux venir te fouiller les deux personnes, deux femmes actuellement, donc je te laisse fouiller les deux femmes, t'occuper des deux femmes. Bon, je voudrais des policiers qui sont en train de surveiller les alentours, messieurs, parce que là, nous est tous sur les individus, personne ne surveille les alentours, c'est un nain qui arrive, il fait du hashish de flic. Hein. Mais elle est marrante, elle me dit deux policiers, mais c'est pas les quatre. La dame 07, Carl Davis. La dame qui avait le chapeau de cow-boy, je la vois plus. Hein. 35-76. Peut-être qu'elle est à l'intérieur. Sound muted. Bien ça, 35-76. Quoi le nom? Davis.
3, 2, 1, 0. Au revoir. Pour ce qui est de Ange, c'est quoi qu'il fallait? Ouais, l'adjoint du FBI. Faudrait que je puisse appeler le gouvernement pour demander le numéro de l'adjoint FBI. Gouv. On verra s'il y a quelqu'un. Autrement, donc Mr. Laurie, ça répond pas. 3976, attendez. Ah non, 3576. Donc ça, quasiment impossible à résoudre. Ah oui, ça, il faut que je demande. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a foutu là? Marmoude! C'est pas la bonne police! Oh là là, comme il écrit, putain! Il a. A.S. À l'arrestation de. Alors, monsieur Benjamin Trojan, et qui est le procureur, a procédé à l'arrestation de Walter White. Waouh, il a trouvé où son pseudo? Il est original celui-là. Le 17-09-2019. C'est pas besoin de mettre la date, tu l'as mis dans ton dossier. Alors qu'il était en train de conduire une moto. Il, avec une majuscule merci, a engagé une poursuite. Une poursuite pour me rattraper. Quoi? Personne concernée. Ah, c'est le. Ok. C'est du point de vue de. Ok. Il a engagé une poursuite pour me rattraper en voiture de collection. Et ensuite, il a changé de voiture. Il a. Ah, qu'est-ce qu'il a avec les S? Oui, M. Monsieur Virgin. Il a changé de voiture et il a pris. Bon, j'en ai marre de corriger. La voiture de. Oh là là, je sais pas s'il fait exprès parce qu'il joue un blédard ou. Il a changé de voiture, il a pris la voiture de fonction. Oh, la répétition. L'heure. Ah, c'est obligé, fait exprès là. Lors du, du passage devant le PDP, M. Trojan m'a tasé. C'est avec un Z ou pas tasé, je crois. Hein. Et il a. Oh là. Comment ça. Non, c'est obligé, il fait exprès. À se moquer de moi, lui et son ami. Il a dit. Bon, j'arrête de corriger les fautes. Je corrige juste les énormes fautes. À Monsieur Boite qu'il était oublié. Ah non, c'est obligé. Ok, j'ai compris. Il fait exprès. C'est avec un S, hein? Ok. Il a dit à Monsieur White qu'il était obligé de changer de voiture vu qu'il a eu un accident. Antécédent. Ouais. J'ai été ensuite placé
Ensuite, le placer. Oh, mais je l'ai. Mais attends, et là, il change de personne. Je l'ai. Ensuite, placé en garde à vue. Et j'ai dû payer les amendes de délit de fuite, excès de vitesse, le wheeling. Je comprends pas, c'est qui parle là. J'ai été ensuite placé en garde à vue, j'ai dû payer les amendes. Mais de quoi il se... Alors attendez, on va récapituler son problème là. Il est passé où, Corso? Sergent, vous êtes déjà parti. Corso, vous passez au commissariat ou... Corso? Lieutenant Corso? Indisponible sur radio, mademoiselle Bizarre, actuellement. Très bien. Alors... 26 pour mademoiselle Peggy Bizarre. Attendez, 26, c'est lui. Madame Bizarre? Oui. Vous pouvez demander au procureur, madame Algis, qu'il nous fasse un communiqué pour nous par rapport aux personnes qui sont, comment dire, graciées de leur peine de prison et qui sont actuellement recherchées. Parce que du coup, il y avait une affiche, mais l'affiche a été enlevée. D'accord, je vais appeler monsieur le procureur. Merci infiniment, madame Bizarre. Négatif, c'est la première fois que je demande que tu viennes parce que c'est une femme. Attends. Non, c'est pas Kenny, c'est Walter White. C'est Kenny, ensuite, ça. Ensuite, vous l'amenez au PDP. Hein. Alors attendez, récapitulons. En plus, ça concerne Benjamin Trojan, donc si on peut faire une pierre deux coups. Monsieur Benjamin Trojan. Nous retournons sur 7h03. Sound muted. Monsieur Benjamin Trojan a procédé à l'arrestation de Walter White, le machin, hein, alors qu'il était en train de conduire une moto. Il a engagé une poursuite. Donc là, on passe du point de vue de Walter White, il faut comprendre. Il a engagé une poursuite pour me rattraper en voiture de collection. Et ensuite, il a changé de voiture et il a pris la voiture de fonction. Mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est inutile à savoir, ça. Lors du passage devant le PDP, monsieur Trojan m'a tasé et il a commencé à se moquer de moi. Lui et son ami, il a dit que monsieur White, il a dit à monsieur White, là on repasse du point de vue de, oh là là, qu'il était obligé de changer, il a dit à monsieur White qu'il était obligé de changer de voiture vu qu'il a eu un antécédent. J'ai été ensuite placé en garde. Mais attends, c'est quoi l'abus de pouvoir là? Le mec, de toute évidence, il a fait un délit de fuite. Il se fait taser. Ensuite, il se fait taunter. Monsieur, madame Misère. Bonsoir, madame. Ah, maître Van et procureur Trojan. Alors, pourquoi... Pourquoi je vous ai appelé? Non, je vous voyais poste de combat. Oui, j'allais vous appeler, monsieur le procureur, pour deux choses. Oui. Et je crois que vous êtes Van aussi concerné par une de ces deux choses. Mais tout d'abord, comment puis-je vous aider? Mais nous revenions de la cérémonie de la police, de la LSPD au niveau des promotions. Ah. Et nous redescendions en ville, étant donné que c'était terminé. Ils étaient en train de ranger le fin foin, donc on est arrivé ici. Je me suis dit, on va passer au Lespidi voir Madame Bizarre. Et comment allez-vous et votre blessure? Ça va beaucoup mieux, heureusement. Oui, heureusement, heureusement. Oui, heureusement. Vous avez été promu? Oui, c'était attendu parce que officiellement j'étais cadette. Mais officieusement, j'étais déjà officière depuis un petit bout de temps, mais là, on va dire que c'est officiel. Ouais, c'est mieux. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, alors,
Premièrement, une affaire qui vous concerne, je pense, vous deux, parce qu'il est fait notion de vous, monsieur, monsieur le procureur. Oui, sûrement. Ouais. Et je pense que l'ami qui est décrit, ça doit être vous, monsieur Van. Alors, je vous lis. Alors attention, parce que là, on a affaire à un champion de l'écriture, encore une fois. Qui sait manier la plume. Savez, c'est des agents de police, hein, c'est pas des écrivains, c'est pas Molière ou Van Gogh. Oui, non, mais là, s'il vous plaît, on a des mots qui n'existent pas ou qui sont tellement modifiés qu'on ne les reconnaît plus. Ou alors, on a des changements de personne. On passe de la première personne à la troisième personne. C'est un peu incompréhensible. J'ai l'impression que c'est la victime qui parle et celui qui a fait la déposition. C'est contradictoire. Enfin, c'est oui, normalement pour. C'est pas possible. Oui, c'est bizarre. Je vous lis néanmoins. Comme ça, vous allez m'expliquer parce que là, c'est pas clair. Alors. Est-ce que on pourrait faire ça dans un bureau parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant. Oui. Attendez, je vais voir le monsieur. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Hein, quand même. Oui, bonsoir. Je m'occupe de ces messieurs d'abord, et puis je viens à vous. Très bien, merci, c'est très gentil, merci. De rien. Oui, mais après, moi je suis pas habilité. Alors, on vous écoute. Alors... Plaignant Walter White. Ça vous dit quelque chose ? Oui, Walter White, oui, bien connu. Alors, je vous lis, vous allez m'expliquer. Je vais le mettre sur mon autre donc, écran. C'est une personne qui est venue faire une déposition à la LSPD, on est d'accord ? On est d'accord. C'est cela, il s'est plaint. Alors, monsieur Benjamin Trojan a procédé à l'arrestation de Walter White le 17-9-2019. Alors qu'il était en train de conduire une moto. Donc là, on est d'accord, c'est l'agent qui parle. Hein. Oui. Attention, changement de personne maintenant, attention, abracadabra, c'est la victime. Il a engagé une poursuite pour me rattraper en voiture de collection. Et ensuite, il a changé de voiture, il a pris la voiture de fonction. Lors du mon passage devant le PDP, je vous lis comme tel, hein. Et encore j'ai modifié. Monsieur Trojan m'a tasé et il a commencé à se moquer de moi, lui et son ami. Je suppose que c'est vous. Il alors, a dit oui, à monsieur, il a dit à monsieur White que il. Alors là, on repasse du côté de la police. Il a dit que monsieur. À monsieur Walt qu'il était obligé de changer de voiture vu qu'il a eu un antécédent. Je étais ensuite placé en garde à vue et j'ai dû payer les amendes de délit de fuite, excès de vitesse et de wheeling. Et l'objet de la plainte, ce serait abus de pouvoir. Alors moi, je comprends rien, hein, je vous le dis tout de suite. Alors en fait, je vais vous expliquer. C'est monsieur Walter White. Et il était au parc. Un nom très original, se dit en passant. Oui, oui. Qui fait de la mettre. Et ce monsieur faisait des wheeling et je l'ai vu passer à toute vitesse dans le centre. Excusez-moi, mais là, c'était gros. Hein. Pas besoin de radar, rien du tout pour voir qu'il criait des feux et qu'il roulait très très vite avec sa moto. Vous étiez dans votre droit. Oui. Donc, délit de fuite. J'ai essayé de l'arrêter. Délit de fuite. J'ai changé de véhicule. Ouais, pour essayer de patrouiller un petit peu. Donc, pouvoir mettre les sirènes, etc. au cas où. Et je me suis mis au parking central. Quand ce monsieur revient me narguer trois fois devant le parking central en faisant attendez, deux petites secondes, je vous prie. Ouais. Deux secondes. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ok. Trop gentil, pas policier. Oui, mais les procureurs, il a
Il a aussi le statut de policier, il a le droit. Il a le droit de faire des arrestations et tout. Reprenez, je vous prie, pardon. Oui, alors, donc ce monsieur a fait un exécuté flagrant, dit Willing, je l'ai poursuivi. Et vous puis étiez j'ai en voiture de... Non, j'étais avec mon véhicule, c'est pour ça que j'ai abandonné la poursuite. J'ai dû faire peut-être 500 mètres. Et puis après, j'ai abandonné. Je suis allé prendre un véhicule de fonction. Au cas où je devais mettre les sirènes, etc. Surtout en parking central. Là, ce monsieur est revenu me narguer trois fois devant le parking central en faisant des wheelings et en faisant des doigts. Et c'est là que j'ai entamé une seconde poursuite. Donc là, avec les gyros, les sirènes. Et d'accord, donc là, délit de fuite vraiment intentionnel. Oui. Ouais. Donc là, le monsieur est parti sur la 2x2, rouler à contre-sens, excès de vitesse, etc. pour m'enfuir. Sauf que, vous savez, quand on met les sirènes, les concitoyens deviennent un petit peu maboule. Donc, je me suis pris un petit véhicule. Donc, de ce fait, je rentre au LSPD et je change de véhicule. Pas blessé, j'espère. Non, vous inquiétez pas, j'ai pas tapé de plein fouet. Et du coup, je rentre au LSPD, je change de véhicule, je prends mon autre véhicule de fonction. Et là, je retourne au parking central et qui voilà, je les revois. Pareil, ils me narguent. Là, je décide de ne pas le poursuivre parce que bon, trois fois d'affilée, c'est bon. Hein. Et du coup, je rejoins mon confrère Maître Van et je vois que le monsieur, il fait que tourner autour du parc. Du PD. C'est là que j'interviens, monsieur procureur. Pour ma part, Madame Bizarre, j'étais à mon cabinet en train de travailler, je me suis pris une porte et donc j'avais le nez un petit peu déplacé et en sang. Donc je me suis précipité. Oui, ça va. J'ai encore un peu mal, mon nez est un petit peu gonflé, mais ça va. Je me précipite à l'hôpital. Je suis soigné par Madame Laura Gray, la directrice de l'hôpital de Los Santos. Lorsque j'ai terminé mes soins, j'étais un petit peu groggy dans le sens où j'avais pris du gaz hilarant pour la douleur parce qu'elle m'a replacé le nez, je cite. Et donc après, je recontacte M. le procureur en demandant où est-ce qu'il se situe. Il dit qu'il était occupé avec un gourgandin qui fait du grabuge en ville avec sa moto. Un gourgandin. Je dis, écoute, je vais au LSPD, je te rejoins là-bas. Donc j'arrive avec ma voiture au LSPD, M. le procureur arrive également, et je vois à plusieurs reprises, donc du côté gauche de la rue juste ici, faire là jusqu'au magasin de vêtements, demi-tour, et il revient. Et même, nous avons observé avec M. le procureur que ce monsieur, vous voyez le feu rouge là-bas, un peu plus loin. Oui. Pas le premier ici, hein, le deuxième, après le magasin de vêtements. Oui. Avant le magasin de vêtements, ce monsieur s'arrête et nous observait, vous voyez, il s'est mis sur le côté, il nous observait. Voir qu'est-ce qu'on faisait. Nous, on était juste devant le PDP. Il y a vraiment des branleurs dans cette ville. Oui. Et du coup, ce monsieur, attendez. Je cite, je vais être honnête avec vous. Hein. On est honnête entre vous et moi et monsieur le procureur. Monsieur le procureur me dit qu'il est agacé du comportement de ce monsieur. Je lui dis, eh bien, écoute, je vais me mettre au bord du trottoir, on va faire mine de discuter. S'il passe, tu l'interpelles. Effectivement, je me place, monsieur le procureur également. Et ce monsieur fait demi-tour là-bas, revient tout à l'heure nous narguer, et là, monsieur le procureur a agi, l'a intercepté, et voilà où nous en sommes. Eh bien, vous avez une bonne visée, monsieur le procureur. Eh bien, je vous le dis. Vous voulez voir la caméra de surveillance du LSPD ? Je veux bien, oui. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. Très bien. Oui, j'allais voir, j'ai fait quelque chose. Oui, j'ai même été étonné de mes compétences. J'ai fait pas mal de gymnastique, etc. Mais je pensais pas être aussi bon à la visée. J'ai peut-être eu un coup de chance, je sais pas. C'est qui déjà, monsieur Trojan? Merde. Je vous ai envoyé un mail. Je vais vous envoyer la vidéo de l'USPD. Très bien. Regardez ça. Encore mes félicitations pour ce tir, monsieur le procureur. Eh oui, je suis plus fier du moins. Attendez, hop. Il l'a eu ? Putain, ouais, il l'a bien visé, oh. Il l'a eu ? Et après ça, putain. Le prochain qui doute encore de la visée des LSPD. J'ai quand même pas en effet, je viens de voir la vidéo.
Vous êtes un vrai sniper, dites-moi. Et je voulais vous rajouter, mademoiselle Bizarre, qu'il était en vue rapprochée. Eh bien, j'y suis pour quel, un vrai œil de faucon. Écoutez, je veux bien qu'une fois vous passiez, deux fois, mais 5-6 fois plus des grabuges dans le centre-ville, à un moment donné... Puis il a fait un doigt au procureur... Faut pas s'étonner qu'on donne des... Mademoiselle Bizarre, excusez-moi de vous couper. Dites-moi. Est-ce qu'on a des affaires sur Mila Brooks, par hasard? Mila? Mila Brooks. Je vais regarder. Eh bien, on a Monsieur Brooks. Mais le problème, c'est que vous savez, on vous déposez des questions... Non, aucun lien de parenté. Procureur. Ah, ok, super. Tu sais, des Brooks, il y en a plein. Hein. Oui, mais on sait jamais. Les États-Unis sont grands. Je suis sûr, il y a plein de trois gens. Yeah. Non, effectivement, moi je suis d'Europe, donc il n'y en aura pas. Dans les fichiers, j'ai un James Brooks et j'ai un Miles Brooks. Donc rien présent sur mademoiselle Mila Brooks, c'est ça? Non. C'est bien. Okay, très bien. B-R-O-O-K-S. Ouais, ça doit être ça. Hein. Attendez. Faudrait que je vois sur radio, mais ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mila. Attendez, je vais regarder une Mila. M-I-L-A. Oui. C'est ça, ouais. Non, elle n'est pas dans nos fichiers. Ok, très bien, très bien. Ok, d'ailleurs, merci à vous, lieutenant. Maintenant, il y a 70 casiers, hein, donc normalement, il y a de quoi faire. Hein. Très intéressant. Voilà, si vous cherchez des gens. Je vous laisse terminer, vous êtes bizarre. Monsieur le procureur, je vous souhaite une agréable soirée. Au plaisir, cher monsieur, même si je ne sais pas qui vous êtes. C'est le lieutenant Sean Cage. C'est pas grave, d'accord. Dites-moi, vous vous rappelez du grabuge que faisait une certaine milice en ville? Oui. D'ailleurs, j'ai pas été mise au courant encore de ce qu'il en est. Attendez, si vous voulez bien, on finit l'affaire Walter White là. C'est vrai que j'ai tout ça. Vous l'avez intercepté, vous l'avez amené ici même, vous lui avez fait payer une amende. Je vois pas de quoi il se plaint. Bah, surtout que je lui ai lâché droit, il a pas été maltraité, j'ai essayé d'appeler un EMS, je sais pas si vous le savez. Procureur, ça tombe bien que vous soyez là. Ouais. On a monsieur Lazare Popov qu'on vient d'arrêter, il me semble qu'il était... il y a un avis de recherche sur lui. Il avait un bracelet. Donc, oui, il avait un bracelet. Si besoin de se représenter, il fallait le convoquer, il allait le dire. Ok, non, mais en fait, nous, on ne savait pas, donc du coup, on nous a dit à la radio qu'il était recherché. Et puis... Ah non, vous pouvez le... Ah, dommage, j'étais pas sur la radio, là, je parlais avec monsieur le procureur. Ok, d'accord, donc je relâche. Vous pouvez le relâcher. Okay. Dites-lui bien qu'il fasse pas le con, hein, parce que... Oui, dites-lui que Maître Van lui dit qu'il est relâché, mais qu'il reste à disposition. Et qu'il est bracelé, qu'il doit venir pointer. Hein. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Donc, de quoi il se plaint, ce monsieur White, là? Apparemment abus de pouvoir, mais... Mais à quel moment, oui... Oui, mais les gens crient vite abus de pouvoir dès qu'ils se font attaquer par une agence gouvernementale. Oui. Bon, bah écoutez, j'ai bien noté votre version des faits. Je prendrai la sienne tout de même par... Je peux même faire une confrontation avec lui, monsieur le procureur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Oui. Vous avez le rapport de monsieur le procureur. Vous avez ses dires, les miens, qui confirment effectivement. Oui, mais vous comprenez bien que par avis de neutralité, je prendrai également le sien. Voilà. Maintenant, deuxième sujet. J'ai reçu à la radio une demande qui fait... Oui. Guy, désolé encore de te déranger. Madame la juge, elle dit il faut que tu postes une annonce sur la tablette de la LSPD en disant comme quoi il est sous bracelet et tout ça, qu'il faut plus l'arrêter. À moi? Oui. La juge qui me demande ça? Oui, c'est juste pour éviter qu'on l'arrête parce qu'elle est juste à l'accueil. C'est ce monsieur-là, Lazare, là? Oui, c'est mon client. D'accord. Je vais mettre ça sur la tablette. La juge n'était pas au courant. Je sais pas, mais elle m'a dit de faire ça, comme ça évite qu'on l'arrête. Bon, très bien. Moi, je te laisse, ils ont besoin de renfort. Oui. Par contre, d'où il me tutoie, lui. Bref. Donc, deuxième sujet. Justement, on en vient un petit peu à la tablette et à ces personnes recherchées.
le sergent chef Nicolas Flipper me demande à ce que vous puissiez publier les gens qui sont relaxés, les gens qui sont recherchés à nouveau parce que le mail a été supprimé. Oui, je sais bien, mais c'était madame la juge qui avait la liste. Il faudrait que je lui en parle, qu'elle me la donne. Et comme ça, oui. On mettra à jour... Parce que c'est urgent. Oui. Je vais la chercher, attendez. Oui. Et comme ça, on remet la liste au public. Très bien. Donc, vous vouliez me parler de quelque chose aussi? Non, t'es venu au poste de police, comme ça, pour voir s'il y avait bien des... D'accord. Bon, écoutez, voilà, on a fait une pierre deux coups. On peut sortir, si vous voulez. Bien, mais je vais me charger de la liste. Et puis, ah bah attends, je crois qu'il y a la madame la juge qui arrive. Je tiens encore à m'excuser pour le jet d'eau. Sensationnel. Je vais pas vous mentir, j'ai rigolé dans le camion. Ah moi aussi j'ai rigolé hein. C'est même pas bonjour madame, nous n'avons pas été présentés. Non, bah madame la juge. Et félicitations d'accord. Pour votre promotion. Hein. Merci madame la juge. Moi je me présente, oui si vous voulez, oui. Oui je vous écoute. Donc moi c'est madame Peggy Bizarre, je suis secrétaire générale de la LSPD. Vous m'avez demandé quelque chose apparemment. Par rapport à la tablette de la LSPD. Voilà. Ouais, je sais pas. Mais ah oui. Alors, non, pas la tablette de la LSPD, plutôt la tablette de la ville, le site internet de la ville. Vous avez un passage qui est annonce, alors attendez. Annonce police ou je crois que c'est annonce ça. Police, un truc comme ça, oui. D'accord, je ne sais pas si je suis habilité à pouvoir publier dessus. Ah, alors attendez, je vais regarder. Et je crois qu'elle va me donner les droits. Je t'emmerde, Mist. première personne. Abus de pouvoir car il n'est pas policier. Normalement, un proc, c'est un avocat qui bosse pour les policiers. Donc, pas droit de taser pour... Oui, non, mais... je te rappelle qu'on est quand même dans un jeu vidéo. dans ce GTA RP... Ah non, c'est pas le capitaine qui a le droit de diffuser. Vous avez déjà un document prêt ou c'était juste... Non, mais à la base, monsieur le procureur le savait également, donc... Mon client était informé également, mais c'est la LSPD en général. C'était une information connue, mais apparemment certains n'étaient pas au courant. J'étais au courant de... D'accord. Vous voulez que je demande à un sergent ou à un officier, un lieutenant de publier? Ah oui, si vous pouvez, oui. Ok, attendez deux secondes. 115 en début de patrouille, secteur 2. Oui. Tony Corso, vous êtes disponible, je vous prie. Vous pourriez me faire parvenir, vous savez, vous aviez publié une petite liste avec les récompenses, etc. des personnes recherchées concernant l'évasion du pénitentiaire. Est-ce que je vous ai transmis le dossier donc des recherchés et des informations qu'ont donné les agents de la prison à la CIA? Non, il me semblait pas. D'accord, est-ce que cette liste est à jour là actuellement? C'est quoi comme dossier? Je sais pas, je vais vous le transmettre et vous allez me dire ça. En soi, j'ai pris les informations qu'on m'a données et j'ai simplement retranscrit. C'est vrai qu'il y a transmis. Par hasard, du moins, on prend note de Lazar Popov qui était déjà sous bracelet. Oui, il est impliqué. D'accord, oui, bon, on va mettre pour ça à jour. Document, comment il était rédigé, s'il est en bonne uniforme? Si ça ne me dérange pas, bien évidemment. Attendez. Attendez, j'ai un peu soif. Ah non, c'est bon. Madame la juge, monsieur le procureur. Très bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Corso. Vous allez bien? Je vous ai appelé à la radio. Oui, et parce que je suis là.
Eh bien, écoutez, regardez, Madame la juge demande à ce que vous qui avez les droits sur la tablette de la ville, fassiez une annonce comme quoi Monsieur Lazare Popov a bien un bracelet électronique. Comme ça, on fait pas la même erreur deux fois de l'amener, de l'embarquer. Il doit être arrêté, sauf si... Monsieur Tony Corso, je viens de vous transmettre le document de la prison avec donc toutes les informations. Je vous laisse le soin de le transmettre à votre secrétaire. Ouais, mais dans... D'accord, je partage ça, bougez pas. Dans ce jeu... Piggy, je vous envoie un mail, d'accord ? Oui, envoyez-moi ça. Et je mettrai ça dans nos listes à jour. C'est bon, c'est envoyé. Portez ça avec tous les agents, comme je ça. Je envoyé également, monsieur le problème. Procureur. Très bien. Très bien. Comme ça, on met ça à jour. Il y a également la liste des personnes recherchées pour les aides aux fugitifs ou seulement les fugitifs eux-mêmes. Il y a une aide externe, je pense que c'est ça. D'accord. Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Priorité sur la recherche 1-1-1-1. Palace White, ok. Oh, il y a même des photos en bas, c'est nickel. Ah, ça y était pas avant. C'est propre. Merci bien, madame la juge. Bah, écoutez, merci à vous. Juan, monsieur le disputeur. D'ailleurs, dites-moi, lieutenant, est-ce qu'on a interrogé justement madame la juge, n'ayez crainte, par rapport à la dernière fois ? Parce qu'il me semble pas que ça ait été fait. Eh bien, nous avions escorté madame la juge qui s'était fait enlever, il me semble. J'ai pas eu... Non. Vous n'étiez pas là ce soir, je crois. Non, j'étais pas là. Vous interrogez madame la juge ou pas ? On m'a très vite interrogé, en soi. Très vite, c'est-à-dire ? Vous avez un écrit ? Non, c'est pour ça. Je crois que ça a été fait à la va-vite, mais alors de chez la va-vite présent, de la va-vite. Effectivement, c'était oralement. Il n'y avait pas d'écrit. C'était assez bref et bâclé. Je dirais même. Oui, bon, c'est qui a fait cette merde ? Écoutez, les événements ont fait que la précipitation était de mise. Madame la juge ne se sentait pas très bien. D'autres personnes étaient victimes. Oui, mais ils auraient dû la ramener ensuite au commissariat une fois qu'elle se sentait mieux. Là, elle se sent mieux, la juge. Si vous êtes disponible, madame la juge, que vous n'avez pas d'affaires ce soir ou je ne sais quoi, je vous invite à me rejoindre dans un autre bureau et de faire cette déposition. D'accord. Ça me paraît quand même légèrement important, l'enlèvement d'une juge. Surtout que j'étais le premier acteur de cette scène et j'étais choqué. Ah, mais vous allez venir alors, monsieur Van. Ouais. Vous étiez aussi, monsieur le procureur. Oui, j'étais bien, hein. Vous allez tous me suivre alors. Allez, c'est parti. Elle est vraiment charmante, hein. Oui, c'est pour ça que j'aime bien. Je vous en prie. Oh là là, vous êtes pressé. Et non, je fais un petit peu d'exercice. Ah, je suis désolé, tout le monde va pas pouvoir s'asseoir. Faudrait que je mette une troisième chaise dans ce bureau. Oh, c'est bon, je vais rester debout, je suis un jeune homme. Excusez-moi. Alors. Bon, ça va, j'ai 34 ans, il y a l'heure. Alors, 2 secondes. Ok. Ouais, moi je prends des vraies dépositions. Eh bien, je vous écoute. Qui commence ? Vous permettez, madame la juge ? Je vous en prie. Et donc, allez-y. Hier, dans le début de soirée, je n'ai plus exactement l'heure. Attendez, c'était hier, c'était avant-hier, non ? Avant-hier, dans le début de soirée. Madame la juge m'a contacté parce que nous avions, je ne sais plus, une réunion où nous devions nous parler pour une affaire. Et elle m'a demandé où j'étais. Donc, j'ai reçu un message de madame la juge. Malheureusement, j'ai fait une boulette avec mon téléphone, j'ai effacé toutes les conversations. Donc, je n'ai plus rien, mais bon, bref. Donc, elle me demande où je suis. Je lui réponds que je suis au centre-ville avec monsieur le procureur et monsieur Baril. Donc, nous sommes à la place des cubes. Et madame la juge arrive, simplement, nous discutons, nous disons bonjour. Et nous commençons à nous mettre au milieu de la place. Pour discuter justement de ce pourquoi madame est venue, lorsque, je cite, lorsque un 4x4 noir, balleur, blindé, vitre teintée, monte les marches de la place, à notre niveau,
trois personnes, je pense, une femme et deux hommes, madame la juge, vous me corrigez ? Pourquoi une femme ? Décrivez ces personnes, c'est l'apparence, je vous prie. C'est un, comment dire, le, comment on appelle ça dans votre jargon ? C'est la corpulence, madame la juge ? Quoi, voilà. Des hanches un peu plus... Oui, plus petites, plus fines, ou alors c'était un enfant, mais bon, bref, peu importe. D'accord. Donc, vous avez entendu ces personnes parler ? Non, on a une personne qui a parlé, une seule personne qui a parlé. Donc, ces trois personnes descendent lourdement armées, je cite, habillées militairement vêtues, et pointent les armes la dans la couleur, s'il vous plaît, de... C'est du camouflage beige. Beige, d'accord. Poursuivez, je vous prie. Donc, ils descendent, nous pointent avec leurs armes et disent « Vous montez en direction de Madame la juge. » Madame la juge, sans dire un mot, monte dans le véhicule et le véhicule démarre en trombe et disparaît. Je n'ai pas exactement souvenir de la direction de laquelle est parti le véhicule. Immédiatement, avec Monsieur vous voyez, je vous prie, désolé de vous couper, me rappeler l'endroit où vous étiez. Ah, la place des cubes. La grande Très place, bien. En face du parking central. Dites-moi, madame la juge, pourquoi n'êtes-vous pas accompagnée de gardes du corps, vu votre importance et surtout de votre position, qui ferait de vous une victime bien choisie pour les criminels de cette ville ? Bah parce que j'ai aucun agent qui me suit, en fait. C'est que j'essaie de recruter, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un de disponible H24, on va dire. Et surtout, si je peux me permettre de faire un commentaire, je crois pas qu'un agent... Mais en soi, je n'étais plus juge au moment de mon enlèvement. D'accord, mais les représailles peuvent quand même s'annoncer, étant donné que vous avez été juge, que vous avez prononcé, très certainement, veuillez me pardonner, je suis nouvelle en ville, des jugements qui n'ont pas plu à certains ou certaines. Mais veuillez continuer, je vous prie, maître Van. Donc... Le petit commentaire, c'est que je pense que même un garde du corps n'aurait pas fait grand-chose vu comment ils étaient armés et nombreux. Alors, donc, ils étaient quatre au total, mais trois sont sortis du véhicule, je me suis mal exprimé. Un conducteur et les trois qui descendaient. Non, pardon, deux, madame la juge, dont le conducteur, c'est ça ? Puisque vous êtes monté avec... Ça s'est passé tellement vite, mais je donc, sais que... Non, alors, je répète, quatre. Donc ils étaient trois... Non, ils étaient trois... dont madame la juge dans le véhicule, parce que c'est un véhicule 4 places, on est d'accord. Donc voilà, donc le conducteur est sorti, les deux passagers aussi, arme à la main, pointé vers la juge, dit « vous montez, madame la juge monte » et le véhicule s'en va. Je n'ai pas vu la direction, je ne me rappelle plus. De ce fait, monsieur le procureur et moi, directement, encore sous le choc, avons été nous rendre à la LSPD, donner l'alerte. Monsieur le procureur a fait les modalités au niveau de ses agents, expliquant, et j'ai expliqué aussi. D'ailleurs, c'est l'agent qui est parti tout à l'heure avec le masque, avec la voix grave que vous avez dit. Sean Cage. Mais je me souviens, je me souviens des ordres. J'étais présente ce jour-là. Voilà. On est parti à la recherche de Madame la juge. Pardon. Jusqu'à ce que Madame la juge, par après, je ne sais plus combien de temps s'est écoulé, m'envoie un message disant venez me chercher et m'envoie sa position. Et je l'ai tout de suite transmise aux autorités. Madame Kennedy, qui est garde du corps du gouvernement, était présente, est venue avec nous. On s'est rendu sur place et on a récupéré Madame la juge. Par après, Madame la juge est venue ici, semblait en état de choc, un petit peu déprimée, groggy, choquée. J'ai fait mandater Madame Laura Gray, directrice de l'hôpital de Los Santos, qui est venue voir Madame Luciani et a proposé de faire des examens complémentaires à l'hôpital. Donc Madame Luciani a été emmenée sous convoi. À l'hôpital, a subi des différents tests, prise de sang et je cite, et après, je n'ai plus. Je pense qu'après, on est revenu ici, mais il n'y a pas vraiment eu d'interrogatoire ou de questions, et madame la juge est très Veuillez fatiguée. Me pardonner deux secondes, on me bip de façon urgente à la radio, deux secondes. Dites-moi, vous m'avez bipé, qu'est-ce qui se passe ? Mademoiselle Bizarre, vous êtes où ? Je suis dans le bureau avec madame la juge pour une affaire importante. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il me faudrait une liste des évadés avec une photo, s'il vous plaît. Pour que je passe à faire un coup. Je vous envoie ça deux secondes. Hein. Parce que actuellement, j'ai une personne sous X en bas et j'aimerais bien comparer par rapport à ses empreintes et son visage. Très bien, je vous envoie le document. Je vous l'envoie tout de suite. C'est Woods, c'est ça ? Affirmatif. Très bien. Je vous l'envoie. Je recoupe la radio. Affirmatif. Sound muted. Ok, attendez, je dois envoyer ce fameux document à mes aux troupes. Ok, tac.
Alors, Woods. Sound resumed. Woods, je vous ai envoyé le document. Vous m'envoyez un mail si vous avez un souci. Bien reçu, merci bien. Sound muted. Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Van. Donc, je vais reprendre au niveau d'hôpital. Salut, lorsque Tito. Madame la juge a procédé à tous les examens nécessaires et a été relâchée, nous sommes revenus ici. Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Je ne crois pas qu'il y ait eu un interrogatoire. On a juste discuté légèrement. Madame la juge a dit qu'elle était un petit peu fatiguée, a demandé à ce qu'on la raccompagne au palace. Et donc, c'est ce que nous avons fait. J'ai moi-même dit bonne nuit et au revoir à Madame la juge. Je peux témoigner. Et puis, je suis reparti avec Mme Kennedy, qui est garde du corps. Et je ne sais plus ce que j'ai fait de ma soirée après. Je crois que j'ai vu 2-3 clients. J'ai fait un petit tour avec monsieur. Oui, non, ça concerne Madame la juge après ou votre soirée. Ouais, c'est tout. D'accord. Pouvez-vous me détailler les questions qui ont été posées à Madame la juge, je vous prie. Les questions de style interrogatoire, vite fait, bien fait, nul là. J'étais pas là, moi. Quand elle est revenue ici, moi, j'étais pas là. Ah non, on m'a demandé ce qui s'était passé. Je me souvenais pas forcément de ce qui s'était passé. Et on m'a dit, ok, on va vous emmener à l'hôpital. D'accord, on va revenir dessus. Procureur Trojan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la déposition de Maître Van? Non, tu t'es dit clair et concis, il n'a rien oublié. D'accord, donc on va passer à votre point de vue, Madame la juge. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre nom et prénom complet. Mademoiselle Luciani, donc avec 2 C-I-A-N-I, Sony. Avec un N et un Y. Tout à fait. D'accord, eh bien écoutez, j'écoute votre version des faits à partir du moment où vous êtes rentré dans cette voiture. Est-ce que vous pouvez me détailler si au niveau de l'examen clinique, vous avez eu des conséquences au niveau de votre mental ou du physique? Est-ce que vous vous souvenez de tout? Alors, on m'a fait principalement donc des tests. Je crois que c'est l'hiver, je me souviens plus trop. En somme, ils n'ont rien trouvé, mais du moins, ils n'ont pas examiné l'arrière de ma tête et j'avais pris un coup à l'arrière de ma tête. En fait, j'avais mal à la tête pour le coup, mais ça n'a pas aiguillé plus les médecins. Mmh, très intéressant. Salut, ça. Salut, tu frappes une femme. Non, c'est très intéressant de savoir ça, ça m'aide. Vous comprendrez peut-être qui... pourquoi plus tard. Dites-moi. Alors, les victimes de ce groupe ne sont pas que Madame la juge. Diverses personnes, dont Monsieur Popov, l'azacocyte, ont été victimes de cette milice. Mais le problème que nous avons, sauf pour Monsieur Popov, et j'y reviendrai, c'est que les victimes ne se rappellent de rien. Sauf Monsieur Popov, lui se rappelle de tout. Ah! Mais écoutez, je n'ai pas... Alors, regardez, la puissance de la LSPD au niveau de l'administratif, je n'ai aucun témoignage de Monsieur Popov à ce propos. Mais je l'ai signé à Monsieur le procureur en disant que mon client a eu affaire à cette milice, veut bien faire avancer l'enquête et apporter son aide. Merci, Tito. En échange de Merci, certaines Tito. Choses que j'avais citées avec Monsieur le procureur, je ne sais pas si vous les avez transmises. Non. Donc voilà. Mais, dites-moi quelles étaient les choses. Alors, j'explique. Mon client est accusé, et oui, il y a une vidéo qui le démontre, est accusé d'avoir participé indirectement, je cite, et je m'expliquerai pourquoi, à cette prise d'otage à la prison fédérale, dans le sens où... j'ai lu le rapport, je sais de quoi est accusé M. Popov, voilà, et les preuves qui sont contre lui. Voilà, donc de d'homicide sur un gardien et de possession d'armes. Donc il arrive à la prison, armé, je lui demandais pourquoi, il m'a dit qu'il craignait pour sa sécurité et qu'on ne l'a pas contrôlé à la prison. J'ai dit, mais monsieur, vous devez bien comprendre qu'on ne se présente pas à la prison avec une arme. Il m'a dit, je... Oui. Ah, ça c'est le crash, ça c'est sans le crash. Putain, c'est pas possible. Non. C'est bon, faites pas chier. Ah! J'étais en pleine déposition! Prends-moi fin de service. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, 17. Oh, bonne soirée. Bonne soirée.
C'est bon le document. User disconnected from your channel. Affirmatif, je suis en train d'envoyer les papiers, tout ça, au lieutenant Cage, voir pour qu'il voit avec le gouvernement. À propos de. De la personne que nous avons en cellule pour les empreintes. Je ne sais pas encore. C'est qui que vous avez en cellule là? J'ai pas tout suivi. On n'a pas sa carte d'identité, on n'a rien. Et vous avez. Et il a dit son nom? Non plus. Il n'a pas voulu parler. Il veut rien dire. Ouais, c'est Monsieur X, quoi. Exactement, donc c'est pour ça que j'ai pris du coup photo et empreinte pour comparer dans la base de données. D'accord. Moi, j'ai tout rempli hein, sur les casiers. Là, il y a tout ce qu'on a. Donc, essayez de regarder par rapport aux photos si on n'avait pas déjà. Vous avez fait ce travail. D'ailleurs, c'est bien, mais juste. Mais c'est bizarre, il faudrait faire un autre dossier pour les recensements parce qu'après, quand on recherche des casiers, on met 400 ans à trouver. Vous connaissez la touche CTRL et F? Oui, faire des recherches. Ben voilà, si vous cherchez quelqu'un. Je l'ai marqué tout en haut en plus, hein. J'ai marqué si vous cherchez CTRL F. Oui, il faudra que je fasse formation pour ça pour tout le monde. Parce que là... Mais c'est marqué en gros, on peut pas le louper. Oui. Ouais, mais autre chose. Mais à la base, on devait faire une réunion, mais je sais pas où elle est passée la réunion sur ça. Bah ouais, mais en fait, à un moment où je te l'ai demandé le relevé d'empreinte, là, faites le relevé d'empreinte et on verra dans nos données là pour directement avoir les fichiers, d'accord? Est-ce que le relevé d'empreinte que j'ai. Je vais m'en occuper moi-même, vous inquiétez pas pour ça. On aura son identité sous les 10 minutes. C'est bien pris. On va regarder un peu dans nos fichiers aussi là. Ok, parce que savoir en fait, c'est comme ça correspondait en fait. Je ne savais pas s'il a bien fait. Ouais, il n'y a pas de souci, allez-y. Faites le relevé d'empreinte et envoyez-le moi. Vous me disiez quoi pour la réunion là? Je crois que c'était le sergent. C'était pas prévu qu'il a remis des cérémonies le même jour en fait. D'accord. On l'a appris hier que se déroulerait aujourd'hui. Je peux la faire du coup à partir de vendredi, samedi, dimanche. Ou jeudi très tard. Mais je crois que les gens seront saoulés si on fait ça tard. Non, mais je pense qu'on la fera samedi soir. Parce que demain soir, il y a un recrutement. Donc ouais, pense plus en fin de semaine. Dans tous les cas, demain soir, je ne serai pas là. Ah, puis même comme ça, il y aura tous les nouveaux en même temps. Il y aura les voilà, ce sera parfait, très bien. Voilà, en fin de semaine, nickel. Voilà, on fait ça comme en fin de semaine, très bien. Dites-moi, sergent, les sergents ou Sean Cage. Je vais avoir du mal à vous appeler lieutenant. Bah, attends, j'étais habitué à vous appeler sergent-chef. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me faire un topo sur la réunion d'hier soir? Car j'en ai pas eu, et plus particulièrement sur le cas McCauley. Je vous laisserai voir directement avec 54 pour sur le briefing de la réunion. J'ai été absent une bonne partie de la... D'accord. Non, t'as pas été absent, t'as été dégagé là, une grosse partie. J'ai l'honneur de vous annoncer que c'est réouvert, messieurs. Disquette. Merci bien. Donc, sergent chef, si vous voulez bien m'expliquer dans un autre canal si nécessaire. Car là, j'ai actuellement une enquête là, qui viendrait bien du coup. User left your channel. Channel switched. Dites-moi. Oui, donc tu parles bien du groupe en question militaire. On parle HRP là du coup. Ouais, non, tu me parles bien du groupe là. Oui. Bah, du coup, la question c'était est-ce que on a le droit de les arrêter? Est-ce que c'est vraiment McCauley? Donc ça, je sais que ça l'est vraiment. Moment, on ne sait pas du tout s'il est dedans. Dans le RP, on ne sait pas s'il est dedans encore dans le. Oui, dans de façon RP, oui, mais de façon HRP, on sait que c'est lui. Oui, on sait. Mais, le problème c'était que le jour où on l'a arrêté, c'est-à-dire avant-hier, on avait reçu une information en HRP disant que c'était une nouvelle vie. Du coup, c'est pour ça qu'on l'avait relâché. Oui, en fait, le groupe là, maintenant, faites refaire, c'est top secret, les cadets ne doivent pas être au courant dans le RP, etc., ni rien, il n'y a que l'état-major qui est au courant. Je suis au courant aussi, j'avais été mis dans la confidence. Voilà, c'est un groupe, ils travaillent pour le FBI, enfin, il y a plusieurs groupes, c'est plusieurs escouades de 5. T'as des escouades qui sont du FBI et d'autres qui sont de l'armée, mais en tout cas, c'est des personnes accréditées, eux, ils sont là vraiment pour la traque des fédérales, des évadés, quoi. Donc, eux, normalement, doivent pas empiéter sur notre territoire. Et nous, en gros, voilà, si on a quelqu'un, nous le ramène. Si on a quelqu'un, voilà, tant mieux. Bon, donc, on n'est pas censé les arrêter. Non. Et si... C'est tempéré.
Ok. Si c'est du dev comme moi, dès qu'ils ne t'en perdent pas, bah on leur tire dessus, hein, parce qu'on est pas censé savoir que c'est... Ok, donc on n'est pas censé les arrêter, d'accord. Mais dans l'optique... Mais en fait, c'est ça toute la problématique de cette affaire, c'est si, du coup, il y a Mac collé dedans, c'est ça qui change tout, en fait. Bah ouais, le problème, c'est que vu que c'est le gouvernement qui a créé cette escouade, derrière, ils vont nous dire de les relâcher, tu vois, parce qu'à mon avis, si Macaulay est vraiment dans le truc, c'est le gouvernement qui allait le chercher en fédéral, hein. Parce que vu que c'est des escouades qui a été créée par le staff, tu vois. Il aurait été gracié, quoi, du coup. Entre guillemets, oui, je pense. Si honnêtement, s'il y a vraiment Macaulay dans le lieu, enfin, s'il y a vraiment ce personnage de Macaulay, c'est que le staff a dû le gracier pour qu'il puisse faire ça, sinon il l'aurait pas pris, ça serait très bien qu'il aurait des flics au cul. Mais ça, d'accord. Avec le staff directement, si Macaulay, il est gracié ou pas. C'est ce que si j'avais demandé. Pourrait savoir. Non, c'est sûr que c'est Macaulay, hein, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est de savoir oui, s'il est gracié. Est-ce que voilà, c'est un nouveau Macaulay ou est-ce que c'est vraiment le Macaulay? Non, c'est le Macaulay fédéral. Oui, c'est le même personnage, c'est exactement le même. Comme ça, comment tu le sais que c'est le même? Parce que je l'ai vu en HRP, ça je le sais. Oui, ça oui, d'accord, oui. Oui, même moi, Moi je te parle en RP, je le sais pas, ça bien sûr. Oui, bien sûr. Ça faut en fait, c'est ça, c'est juste ça la problématique, c'est de savoir si cette escouade est légitime. Donc tu me dis que oui, mais vu qu'il y a mal collé dedans, est-ce qu'on l'arrête? Parce que en soi, pour nous, il est toujours recherché, tu vois. En soi, en fait, il faudrait voir pour une réunion entre guillemets HRP déjà avec le staff avant pour avoir des notions de par exemple qu'est-ce qu'on fait d'eux, etc. Après, il faudrait en avoir une dans le de manière RP en mode voilà qui nous donne l'identité des personnes qui sont dans l'escouade. Et qui nous disent qu'il est pas parce que c'est pour ça il était en fait il était cherché, il était mais en fait il était baisé la dernière fois parce qu'on avait de quoi le coincer avec une meuf qui avait reçu un appel de Macaulay. Donc en gros elle faisait sonner le téléphone, on savait que c'était lui, il était foutu, mais en HRP on nous a dit c'est une nouvelle vie, je sais pas quoi, mais en fait c'était faux. Donc en vrai ce jour-là là s'il revient dans le bureau, il est foutu en fait sur En vrai tant que t'as pas de on va dire d'ordre du staff que c'est une nouvelle vie, logiquement tu si dans le RP il est toujours Malcolm McCauley, tu le nies et qu'il y a que le staff qui vient te voir et qui te disent non c'est une nouvelle vie etc. Dans ce cas là on posera la question d'accord, mais dans ce cas pourquoi est-ce qu'il s'appelle encore Malcolm McCauley si c'est un nouveau personnage, tu vois. Mais voilà, mais dans le RP tant qu'on nous dit pas que non il est pas recherché etc. Ouais, mais dans le cas où ce serait la même milice qui a kidnappé la juge, on fait quoi? Bah après c'est sans pas on peut rien faire. Ceux qui sont restés, parce que mais la juge elle est pas recherchée, elle est pas dans la après le problème en fait c'est qu'il y a 5 escouades de 5. Enfin 4 escouades de 5, tu vois, donc pas c'est quelle escouade dans la juge, c'est vraiment. Ah oui, ben c'est pas les bonnes. Voilà le problème, tu vois, donc c'est par rapport à ça, en fait, tu pourras jamais rien faire parce qu'on y a plusieurs escouades dans les petites secondes. Mais vu que dans le bureau ils ont parlé avec elle, donc là je suis vraiment de manière HRP, dans l'RP mon personnage il le sait pas qu'il y a plusieurs escouades. Il l'a dit à Cage, il y a 4 escouades de 5. Ouais, ça je suis au courant de toutes les. J'étais presque dans le bureau, on va dire. On a parlé à la réunion d'état-major, de toute façon, de ces individus. Et c'est même la juge d'ailleurs qui a dit qu'il a même confirmé qu'ils étaient légitimes, etc. Mais qu'ils dépendaient vraiment eux que pour les crimes, que pour les évadés en fait. Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper des évadés. Donc on ne doit pas les voir interpeller des gens pour des vols de véhicules et comme ça, c'est pas leur boulot. Après, attendez, si je suis à... Mais non, logiquement, ils n'ont pas, à venir sur notre territoire. Ok. Bon, de toute façon, là, je te demande là ça maintenant parce que je suis en train de prendre la déposition de la juge, justement. Parce que personne ne l'a fait. Donc, voilà. C'est étrange, d'ailleurs, personne ne l'a fait. Normalement, l'équipage qui l'a retrouvé aurait dû faire... Ouais, mais ils ont posé juste deux questions et ils n'ont rien fait d'autre. Ah, mais je crois donc, que c'était des squads. En plus, je crois que c'était... Il y avait tous les flics le soir-là, donc je peux pas dire exactement la retrouver parce qu'il y avait tout le monde. Je sais pas, mais là, je fais ça propre, là, du coup. Vas-y, je te laisse, je vais l'interroger. Ouais, moi aussi, je vais reprendre l'enjeu. Allez, amuse-toi bien. Ciao. Alors, excusez-moi, j'étais à la radio. Nous en étions où? Je crois, si je me souviens bien, que c'était Maître Van qui était en train de parler. J'ai un gros trou de mémoire. C'est bien, Maître Van. Maître Van? C'est qui parle, c'est moi? Non, c'était Maître Van qui était en train de parler avant. Il me donnait des informations complémentaires. Je le cite. Attendez, on dirait qu'il bigle un peu là. On va lui laisser une minute. Ouais. Ouvre grand tes oreilles. Vous avez quel âge, Madame Peggy? J'ai 42 ans, madame. Pourquoi? Ah, comme ça? Oui. Le problème, c'est que j'entends tout le monde. D'accord.
Ah. Vous aurez... Mais si vous aviez connu à l'époque Monsieur McCaudley, ouais, le masque aussi. Je pense du que coup. Vous seriez devenu habillé. Vous pensez que quoi? Vous seriez devenu ami. Je ne suis pas bien sûr de ça, madame. Moi, voyez-vous, je suis 100% du côté de la loi et de l'ordre. McCaudley m'a t'on dit que jouer au cow-boy et au final c'était un Dalton, donc je ne pense non, pas mettre. Non, c'est pas pour ça que vous auriez été copains. Pourquoi donc? Bah pourquoi? Pourquoi aurions-nous été amis alors? C'est un petit peu ironique dans le sens où McCaudley aime bien faire des piques et des réflexions sur les gens. Bah non, c'est pas pour ça. Ah, je pensais que c'était pour ça. Bah dites-nous pourquoi alors. C'est juste que quand quelqu'un lui revient pas, il lui fait savoir. Ah mais non, mais je pense qu'il aurait bien apprécié. Ah, oui, d'accord. Et vous aurez super bien appris. Bah, et vous, Maître Van, vous disiez ça parce que j'aime faire des piques? Non, c'est parce que je connais l'énergumène que lui, il aime faire des piques. Et vous pensez qu'il m'en aurait fait? Oui. Pas méchant, bah... hein, mais il en aurait fait. Autant oui, fait oui, à oui. moi et à tout le monde. Oui, bah, j'aurais refait également. Est-ce qu'il n'est pas tout blanc, ce monsieur? Donc, Maître Van... Hein, il est pas noir, hein? Oui, il est blanc comme un cul. Je sais pas, je l'ai jamais vu, j'ai pas très envie de le connaître. Vous savez comment il m'a nommé dans son téléphone? Il m'a dit... Maître Jean le cocu. Mais pourquoi oui, mais parce que t'as pas mal t'acquitté en plein milieu du commissariat et en plus t'es parti avec un autre. Oui. C'est vrai. C'est fâcheux. Et bah alors, alors le procureur. Donc, reprenons un peu de sérieux. Maître Van, vous étiez en train de parler et je vous cite, en train de me donner des informations complémentaires qui vous revenaient. Oui, alors, donc par rapport au cas de madame la juge qui aurait fait la rencontre. De cette milice, d'autres personnes, je cite, il y a Madame Abby, je n'ai pas son nom de famille, vous avez Madame Warner, que vous connaissez sûrement. Abby Santini, oui, je l'ai interrogé. Warner, voilà. J'ai interrogé également. Voilà, je n'ai pas courant. Interrogé Monsieur Popov, par contre. Et il y a Monsieur Popov qui aurait rencontré cette milice, mais par rapport aux autres personnes, je cite Madame voilà. Abby, Madame la juge, il se souvient de tout. Voilà. Donc, vous étiez en train de me dire que Monsieur Popov aimerait un échange de bons procédés, c'est ça? C'est sur ce quoi nous partions, dans le sens où Monsieur Popov, certes, a fait des choses qu'il regrette, mais c'était sous la contrainte. Si vous voyez le dossier, on en parlera un autre jour. Selon les informations qu'il donne à ce moment-là, on verra pour un changement d'identité, mais ça, à ce jour... C'est pas vraiment un changement d'identité. Lui, il voudrait, en fait, je vous explique. C'est un homme qui travaille, qui a une vie, des amis, une famille... Et d'un coup, sa vie a basculé en ce jour de la prison fédérale de l'évasion. Et le voilà inquiété par la justice. Et il voudrait retrouver cette vie paisible et calme. Et comme il a eu affaire à cette milice et qu'il sait qu'il a des informations qui pourraient peut-être, je ne sais pas, qui pourraient vous aider ou peut-être vous guider dans sur votre enquête, il voudrait apporter son aide, il voudrait collaborer avec vous. Oui, ou, mais vous ça, très bien, bien à lui, très gentil. Par contre, qu'est-ce qu'il veut en échange? Ben, qu'on revoie un peu son dossier, qu'on négocie, de voir comment... Une remise de peine. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est pas à moi d'en juger, hein. C'est à monsieur le procureur et à madame la juge. Je sais sur quoi nous partions avec mon client, qui, je répète, n'a pas d'antécédent judiciaire, je crois. Pas à ma connaissance. Voilà, donnez-moi une petite information que je n'ai pas dans le dossier ou que j'ai oublié malencontreusement. Monsieur Popov allait à la prison pour quelle raison exactement? Voir un détenu. Je pense qu'il était venu pour le parloir. Lequel? Monsieur aucune idée. Procureur, est-ce que c'est indiqué dans le document? Je l'ai pas sous les yeux. Et attendez, je vais vérifier. Moi, je sais pas. Après, je peux faire venir Monsieur Popov si vous souhaitez. Après madame la juge. D'accord. À moi ce que madame la juge souhaite voir monsieur Popov. Oui, ensuite on peut faire ça, oui. D'accord, bon, appelez-le quand on aura terminé. Donc, est-ce que... Il doit y avoir, alors juste on finit sur ça, il doit y avoir certainement un registre des visiteurs et qui sont venus voir à la prison. Je demanderai au directeur voilà. de J'aimerais la prison bien savoir qui voulait venir voir. Parce que ça, quand même, en dit long sur ses relations. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Van, ou autrement, passe à Madame la juge? Moi, pour ma part... Mademoiselle la juge, pardon. Moi, j'ai plus rien... Ah, c'est interdit, selon l'Académie française. Ah, mais moi, ah, je... Oui. Non.
mademoiselle, j'y tiens. Oui, mais moi, j'aimerais bien le garder aussi, parce que ça fait 34 ans que je le dis, alors si on m'enlève un mot d'un coup de mon vocabulaire... Oui, mais vous êtes avec le président. Vous n'êtes pas encore marié, mais vous êtes quand même une madame. Oh. Écoutez, moi, je respecte la volonté de mademoiselle la juge. Elle s'appelait à moi mademoiselle, je l'appelle mademoiselle. Donc, maître Van, vous avez rien à ajouter? C'est tout pour moi, je vous remercie. Très bien. Madame la juge, vous... Je reprends sur vous à partir du moment où vous êtes rentré dans ce véhicule, à moins que vous ayez des informations supplémentaires à ajouter à la déposition de Maître Van. Oui, il m'a été donc ordonné par mes ravisseurs de quitter le procureur. Et... Les procureurs Le gouverneur. Oui, 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 oui. Je sais pas qu'on y tient ici. Attendez, quitter dans quel sens là? Parce que j'ai été en relation avec le président. D'accord. Attendez, là, c'est à partir du moment où vous rentrez dans le véhicule, ils vous disent directement ça. Non, ça c'était après. Ah, pardonnez-moi, je reçois un appel de mon sergent-chef. Allô? Ouais, est-ce que t'es encore avec madame la juge? Oui, je suis avec madame la juge. On aurait besoin d'elle. En bas, on a monsieur Carcar qui fait partie du groupe d'évadé. On l'a interpellé. Si elle veut assister à l'interrogatoire, c'est en bas. Je lui transmets. Ok, ok. C'est en bas dans les salles, tu sais, là où on a maintenant. Non, on n'est pas loin, oui. Je vais vous dire ça. Alors, mademoiselle... Oula, j'ai failli faire une connerie. La juge... sergent-chef... Attendez, parce que je me sens pas bien. Est-ce que quelqu'un... Parce que là, je suis un peu bloqué sur la chaise. Est-ce que quelqu'un peut me débloquer de la chaise? Oui, mais allez-y, un problème de gino. Ouais. Et puis... Ouais, là, on y est presque. Allez, on y va, on y va. C'est bon? Vous êtes vachement solide. Oui, là, les gino... Ah. Vous êtes où? Madame la juge? Une petite pâtisserie de l'autre côté. Ah! Vous pouvez sortir, madame la juge? Vous êtes petit prisonnier. Votre caution est élevée à 30 000 dollars. Si vous payez, vous pouvez sortir. Alors, attendez. Restez là deux secondes. Madame la juge. On m'annonce qu'on a, en ce moment même dans nos cellules, monsieur Carcar, qui est apparemment l'un des évadés de la prison. Ils sont en train de l'interroger. Est-ce que vous voulez assister à l'interrogatoire? Voulez-vous y assister? Si vous voulez, on peut y aller. Hein. On terminerait pas d'abord ça. Hein? On terminerait pas d'abord. Comme ça, c'est fait, et puis on parle... Comme vous voulez. Moi, je suis pour. Allons-y. Okay. Après vous, mademoiselle de la beurre. Mademoiselle de la beurre, mais qu'est-ce qu'il fout de même? Je vais quand même prévenir mon sergent-chef. Putain, ça c'est chiant ça. Oui, sergent-chef, vous pouvez commencer sans madame la juge. Elle préfère d'abord finir sa déposition, puis ensuite elle viendra voir le prisonnier. Ça vous va? Sergent-chef? Oui, oui, excusez-moi. Oui, bah écoute, l'interrogatoire va être déjà commencé, donc ok. D'accord, on passera le voir après. Avec monsieur le procureur, okay, madame la juge. Il ressortira pas, ni de brassé. Oui, oui, il y reste, lui. Hein. Pas de brassé, que dalle. Très bien. À tout à l'heure. Vient de me faire chier. Ok. D'accord. Essayez de le laisser, ou alors faites-lui un casier. Hein. Oubliez pas le casier. Oui, là, c'est 2683 qui s'occupe de l'intérieur. Très bien, parfait. Impeccable. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on y est enfin. Dites-moi, madame la juge, à partir du moment où vous rentrez donc dans ce véhicule.
Donc j'ai été prise dans la voiture, on m'a mis une cagoule sur la tête, ils ont roulé. De là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, puisque je me suis donc réveillée là où vous m'avez trouvée, et en fait on m'avait allongée au sol, la tête face au sol. Et en fait, on m'a dit de ne pas lever ma tête une fois que je me suis réveillée. J'ai entendu la voix d'homme et une femme. Et en fait, on m'a dit donc, qu'il fallait que je n'aie plus contact avec le gouverneur et que je n'avais, du moins, j'avais tout intérêt de ne pas me remettre en relation avec. Et on m'a aussi donc dit de reprendre mon poste de juge. De reprendre votre poste de juge. Oui. Aidez-moi à réfléchir là, parce que j'ai du mal à comprendre quel intérêt pour des ravisseurs à ce que vous quittiez le gouverneur et que vous repreniez votre statut de juge. Je comprends pas trop le... Ah mais ça, seuls eux peuvent j'ai le savoir. J'ai pas compris moi non plus. Oui, mais c'est un peu notre boulot de comprendre également. Étant donné que j'ai pas tellement de sécurité, etc., peut-être qu'ils se sont dit qu'en soi, si j'étais juge et je sais pas... Est-ce que vous avez pas pensé au fait que ces gens-là peuvent vous atteindre et que vous savez, si vous êtes le gouverneur, juge... il a une relation extrascolaire, hein. Extrascolaire Qu'est-ce que ça a à voir dans cette histoire? Je sais pas, moi, si ça peut avoir quelque chose... Vous savez avec qui? Est-ce que ce serait pas cette femme, justement, qui était parmi les ravisseurs? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais vue. Je l'ai croisée, mais je n'ai jamais parlé avec. Vous avez croisé l'écolière extra machin, là? Extrascolaire, oui. Oui, merci. Vous savez à quoi elle ressemble? Je crois qu'elle est blonde. Vous avez un peu plus de détails. Elle a une tresse. C'est pas si elle a les cheveux courts. Non, elle a les cheveux longs. Elle a alors, on cherche dans une ville de 1 million de personnes une femme avec une tresse et des cheveux blonds. Demandez au procureur. Camin. Au gouverneur. Ah, je suis désolée, monsieur le procureur. J'ai vraiment envie. Oui, je sais que pas. Je vous fais autant d'ici. C'est peut-être une de... Un message subliminal, mais rien à voir. Oui. Oui, rien à voir. Oui, on va pas faire de scolaire. Hein. Ah, arrêtez. Bon, alors, donc c'est tout ce dont vous vous souvenez. Juste ces deux demandes et tout le reste blackout. Oui. D'accord. Et ensuite, le véhicule est parti. Je pense que c'était un 4x4 blindé. Et comme il a spécifié Maître Van, donc on m'a dit de rester la tête face au sol. Et de là, en fait, le véhicule. Et on m'a dit d'attendre, de compter dans ma tête jusqu'à 50. Et qu'ensuite, je pouvais me relever. On est d'accord que vous avez été. Vous avez eu votre cagoule du moment A jusqu'à Z. Après oui, je ne sais pas. En tout cas, quand je me vous suis réveillée, vous n'avez pas vu. Attendez, quand vous avez été relâché. Oui. Vous n'avez rien vu. Pas d'endroit. Des Rangers. D'accord. Mais j'ai pas osé relever la tête. Hein. Vous êtes positive, c'était deux hommes et une femme. Étant donné que j'ai entendu le son d'une femme, oui, la voix d'une femme, oui. Ce qui concorde, je le rappelle, à ma déposition, dans le sens où je dis qu'une personne de corpulence féminine était présente à la place des cubes. D'accord. Plus petit, plus frêle, un peu plus fin. Et bon, malheureusement, une tenue militaire est assez ample, mais je soupçonne une poitrine. Hein. Abondante. Donc vous m'avez dit, les vêtements étaient beige, hein? Oui, militaire beige, camouflage, voyez-vous? Pas blanc. Brun beige, oui, c'est ça. Non, c'est une importance, Maître Van, Monsieur le Procureur également, alors, si vous pouvez réfléchir. Blanc, c'est votre chemise, on est d'accord. Et moi, j'ai exact. Dit que c'était beige et brun. Et vous, Monsieur le Procureur? Eh oui, beige et brun. D'accord. Êtes-vous au courant, Monsieur le Procureur, je sais que vous l'êtes, Madame la Juge, des milices qui sont en ville?
soi-disant au nombre de 3 ou 5 ou je sais plus le nombre. La milice ? Une milice. La CIA apparemment qui est censée être du moins de base. Ah, c'est la CIA maintenant, la dernière fois c'était la FBI. Apparemment, c'est la CIA qui aurait mandaté. Alors, en sachant que la CIA de base ne travaille pas sur le territoire et c'est une équipe qui a tendance à intervenir en tant qu'agent secret sur des pays autres que les États-Unis, ce qui me, du moins, ce que je trouve un peu aberrant, en sachant que donc j'ai entendu parler de la CIA et d'une mission ultra-secrète. Donc, vous qui êtes proche du gouvernement avez entendu parler de la CIA. Vous confirmez ? Tout à fait, oui. Car, aux dernières nouvelles, les personnes, alors attention, je vous cite, et j'étais présente sur les lieux, et de toute manière, il y a les caméras de surveillance de la LSPD qui ont pris des hommes, cette fois-ci, en habits militaires de camouflage blanc, qui se présentaient comme une milice mandatée par le FBI. Il se présente également sous le nom de la garde nationale et la dernière fois les hommes que nous avons arrêtés dans une on vous ennuie. Non pardon, je baillais. Vous essayez de plaire à madame ou non non, je m'étirais, excusez-moi. Ah d'accord. Et la dernière fois les hommes cagoulés que nous avons arrêtés de façon assez brutale se présentaient également comme des gens du FBI et maintenant et là, je vous mets dans la confidence, et monsieur le procureur le sait également, qui se présentait, vous rappelez, monsieur le procureur, de ces hommes cagoulés, oui. En costume noir, qui se présentait comme une milice mandatée par le FBI. On est d'accord, ils avaient bien dit FBI. Oui, il me semble. Mais j'ai même tenu le numéro du chef du FBI. D'ailleurs... fait intéressant, c'est que est-ce que vous avez reçu la confirmation de ce directeur du FBI ? Non, j'ai essayé de la joindre, mais il n'était pas disponible. Est-ce que vous avez réessayé ? Parce que vous m'excusez, hein, monsieur le procureur, mais si j'avais été dans ce bureau à ce moment-là, je n'aurais jamais laissé repartir ces messieurs. Car à part leurs paroles, vous n'avez eu aucune confirmation. Nous sommes d'accord. Ils n'avaient pas de carte. Si, si, j'avais une carte. Ils avaient seulement leur petit truc autour du cou que personne n'a jugé bon, il me semble, de vérifier. Mais à part ça, même en dehors de les cartes, on a besoin d'une confirmation orale ou écrite d'un supérieur. Car vous comprenez bien que quelqu'un qu'on recherchait justement pour avoir kidnappé 2-3 personnes, plus éventuellement une juge, ne peut pas s'en tirer comme ça. Donc, vous m'excusez, monsieur le procureur, mais il y a eu une erreur hein, dans ce bureau au niveau administratif et procédural. Donc, pour moi, là, c'est un peu aberrant qu'il puisse être ressorti bras ballant autour du corps. Enfin bref, l'autre qui partait parce que maman l'avait appelé. Enfin, un vrai cirque. Monsieur procureur, vous avez rien à dire à ce propos. Et je vous toucherai quelques mots juste après. Très bien. Donc pour moi, là, ces messieurs sont toujours pas identifiés comme étant du FBI. Donc, au nom de la LSPD, ce sont toujours des gens que, si je chope, viendront dans nos cellules touchés de mots. Donc, voilà. Donc, si vous avez rien d'autre, madame la juge, je peux... Et on peut procéder à l'interrogatoire qui est en cours. Je pense que l'interrogatoire depuis est fini, mais nous pouvons aller voir le détenu. Maître Val, je vous invite à appeler monsieur Lazare Popov afin que nous puissions tous ensemble recevoir et voir ce qu'il a à dire. Ce sera après l'interrogatoire de ce monsieur ? C'est ça, mais vous pouvez commencer déjà à lui dire de se ouais, rappeler. Je le contacte maintenant. Comme ça, nous allons voir si ça concorde. Allez, je vous en prie. Allons-y.